Bonjour à tous les cafardinos, bienvenue. J'espère que vous passez un bon moment chez vous, tranquille. Nous, on prend du plaisir. Aujourd'hui, analyse de Vitality, retour des LAN. Donc ça fait plus de 2 ans qu'on n'a pas eu de tournoi en LAN. Donc vraiment en IRL, que du online et tout, dû au Covid. Donc c'est un grand moment, c'est les IEM Cologne, c'est qualificatif pour le Major, donc il y a une grosse pression qui est là. Faut dire aussi la vérité, depuis que Mizuta a rejoint Vitality, c'est le premier événement aussi qu'il fait en IRL, lui, pour le coup. Et pareil pour Kyojin, donc il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de pression derrière ce match-là. C'est une analyse qui est contre Team Spirit, que je trouve qui est une bête noire un petit peu de Vitality, pas sous-estimer du tout. C'est une très très grosse équipe CIS qui fait de très belles performances ces derniers temps, alors que Vitality a un coup de mou. Donc c'est très intéressant de regarder cette carte. On est actuellement sur Mirage, donc map que je trouve très technique, avec beaucoup de polyvalence en termes de rythme de jeu et tout. Donc je trouve très intéressante à regarder comme carte. Je vous invite tous à vous abonner parce qu'on approche des 100 000. Donc bienvenue aux non-abonnés qui vont s'abonner. Dans la description, vous avez mon site internet si vous voulez acheter du matos pour me soutenir. Et le petit lien skin baron si vous achetez des skins. Alors, on part sur donc Mirage. Nous démarrons Terro. Nous démarrons Terro. Faut savoir que c'est pas trop mal de commencer Terro sur cette carte, je trouve. Même si elle est avantagée CT. Team Spirit est une équipe historiquement très très forte également sur cette carte. Donc là, on part sur 4 pistoles côté Terro. On a Shox qui prend un P250, une smoke, une flash. Donc là, déjà, ne serait-ce qu'en termes de physionomie, je pense qu'on va partir sur voilà, petit fake où on va temporiser et après une exec. Parce qu'on ne pourra pas faire autre chose que ça, étant donné qu'on a 4 Kev. Donc ça m'étonne de voir Apex au Kev, alors que d'habitude, c'est lui vraiment un peu le support de l'équipe, déjà. Et on va voir ça. Je précise que je n'ai pas vu ce match. Donc je n'ai pas vu cette carte. J'ai vu quelques rounds, donc je découvre totalement ce qui va se passer pendant que je fais cette analyse. On va se mettre sur les frérots. Donc là, on peut voir que... Ouh là là, c'est de l'agression middle split attack instantané. Instantané, ça accélère. Ok, ouh là là, c'est magnifique ça. Donc là, comprenez bien une chose. Là, c'est ce qu'on appelle une 2-2-1, d'accord? Donc, je vais vous montrer 2 2 et 1. Voilà, donc on a 3 groupes, 2, 2, 1. Le 1 ne doit jamais mourir avant les groupes supérieurs à eux numériquement. Et le premier groupe doit mettre de l'activité pour monopoliser l'attention. Donc là, par exemple, on a les mecs middle qui courent n'importe comment. Et donc ils peuvent se permettre. Voilà, même s'il y a un USP ici, voilà, pour que le mec il te one-tap et tout, on n'est pas en face hit, les mecs en général jouent plutôt safe. Ce que ça va faire comme réaction, c'est que Magic est en train de push directement le B, il va arriver certainement under. On a Mir qui va prendre la corniche très agressive pour avoir le crossfire ici, et surtout ça monopolise l'attention en gros de Chopper et de Dexter qui doivent regarder que le connector. Donc là, ceux qui sont dans la merde, c'est clairement les premiers groupes qui mettent de l'activité, et eux sont en train d'être bait et Apex est en train d'être bait. Voilà, donc l'attention est monopolisée par le premier groupe d'attaque. Après, il y a le deuxième groupe d'attaque qui va attaquer. Et après, c'est le troisième groupe d'attaque qui est censé attaquer. C'est le principe d'une 2-2-1. Donc c'est important de respecter les timings. Voilà. Juste ici support. On plante la bombe. On a l'info. Apex, il doit y aller. Revenge. On push le spawn. Donc là, on push le spawn en réaction. Pourquoi? Parce que là, comme vous pouvez voir, il y a un mec qui est corniche. On sait qu'il y avait un mec qui était window. Donc là, en fait, tout de suite, c'est un window, un corniche, etc. Donc on sait que les mecs, ils sont forts. Pour qu'il y ait un mec corniche, on sait que les mecs, ils sont forts côté B. Et donc tout de suite, la réaction, c'est de prendre le spawn CT. Comme ça, on a de la zone. Et en plus, on a Ziwo et Mizuta qui font quand même l'exploit de rester en vie. Donc tous les kills partent à l'avantage des terreaux pour le moment. Kyojin en a fait un, Ziwo en a fait un. On est 5v3. Maintenant, on se replace. Voilà, plus besoin de... Voilà, tranquille. Voilà, on se replace, tranquillou. Et on joue notre round. Le round est remporté. On a Ziwu qui vient de terminer encore un petit gars, au calme. Round fini, on passe à la suite. Donc c'est ce que je vous expliquais sur Mirage. Voilà, hop, on voit un petit USP, on voit une petite smoke, on écho. L'intelligence de Kyojin sur ce move. Ça économise quand même 300$ une smoke. Donc pensez à ces choses-là.
Oh, et on la perd. Vraiment dommage. Mais bon, tranquille. On met le pistolet. 1 à 0, on va voir l'économie. Comment? Parce qu'on a le bonus d'argent quand même. On a quand même pas mal de bonus d'argent sur le fait d'avoir planté la bombe. On a économisé 2 Kevlar côté Mizuta, côté Apex. Donc tranquille. Apex, on est Galil full stuff. Voilà. Mizuta, il va essayer de pas trop gaspiller d'argent non plus. Et au MAC-10, tout le monde à la Galil et un Mizuta au MAC-10. On met du rythme. Hein. On met clairement du rythme. Donc Apex Shox qui met une petite. Voilà, petite routine. Petite routine, donc petite flash en B pour monopoliser. Dans l'under. Waouh. Dans l'under pour empêcher le push. Pendant ce temps-là, on est en observation. Mizuta contrôle son aparta. Kyojin contrôle sa Panta. Et on a Apex Ziwu. Voilà, middle, tranquille, on attend. Chopper qui est en réaction, qui prend la Panta agressive. Qui peut surprendre. Qui peut surprendre. Là, déjà, il doit très certainement entendre un petit peu des mouvements, des rotations. Ok, une smoke qui est partie. En A, top connector, etc. Le contrôle middle est en train d'être assigné. Vu que le contrôle middle est en train d'être assigné, Chopper est en train de prendre la Panta. Ziwu qui a été envoyé à la mort. Alors ça, oui. Ah non, non, non. Ça, je l'ai vu en live. Ça, je l'ai vu en live. Parce que j'avais regardé 2-3 trucs. Ok, donc ça, c'est Apex. Voilà, ça, c'est Apex qui donne la flash. Comme vous pouvez voir, vous avez la trajectoire de la flash. Donc là, c'est le contrôle mid que je trouve... Je trouve ça très dommage en fait d'envoyer Apex dans la corniche tout seul. D'envoyer Ziwu dans la corniche tout seul. C'est Apex qui le colle, il dit vas-y tiens je te flash le P2. Et donc là on envoie Ziwu dans le P2 alors qu'on a une défense P2 et ça passe pas. Je suis pas un grand fan de ça. Pour moi ils auraient dû faire encore leur 2-2-1. Mais ce que ça fait, le but recherché là-dedans, c'est de vider la corniche pour mettre de la pression corniche. Dans tous les cas maintenant on sait qu'ils sont deux au niveau de la corne. Très certainement qu'il doit y en avoir un B, ils doivent s'en douter. Donc tout de suite là ça va accélérer sur le A. Apex est dans une très mauvaise posture entre guillemets parce que si il fait l'erreur d'être impatient et de pusher la smoke, SDY, Sam Dai Young, il peut clairement le torcher. Et là de ce côté là on est 3v1 donc Chopper ne pourra pas faire grand chose. On va voir tout de suite ce qui va se passer. Ok on attend. Là on est vu. Apex maintenant est totalement un peu bloqué. Chopper a été tué, on a investi le BPA pendant ce temps-là. Apex il est en leurre, qu'il a entendu toutes les rotas, mais les CT savent qu'il est là. Hein. Donc là on en fait un. Voilà, il est revenu, donc on perd une arme. Donc on a perdu les deux armes des mecs middle, de Ziwu et d'Apex. Le BP a été investi, on est 3v3 désormais, mais attention, hein, attention. Hein, parce que là on leur a donné deux Galil. Hein. Ziwu et Apex qui crèvent, ça fait qu'on donne de la Galil en face et on est une menace, surtout que Mizuta a un HP. Donc on est clairement une menace quand même là pour les terreaux. Mizuta qui en fait un, Kyojin qui en fait un deuxième, c'est maîtrisé, on perd l'arme de Kyojin, ça c'est un peu dommage. Mais le round est remporté, on va rester là-dessus. Là, bon, là, ça commence à être un grand échec, je pense, le round. Même si on gagne le round, on perd beaucoup d'armes, en fait. On perd 4 armes. Donc, vous allez voir que notre économie n'est pas folle, alors que celle des CT, là, on a Dexter qui a conservé une Galil qui pourra la drop, s'acheter pour lui. Là, les CT peuvent très, très bien prendre le pari de forcer le round, en fait. Ils vont pas le faire. Je pense pas qu'ils vont le faire, mais ils peuvent très bien prendre le pari de forcer le round. Et là, les terreaux, eux, ils vont tous être à zéro parce qu'ils vont s'acheter quoi. Donc là, petit contrôle rapide sur le mid avec une smoke window très rapide. Voilà, on a investi directement le middle. Ziwu qui meurt mid, qui se met pas à l'abri derrière les box au lieu de spammer les smokes. Petite erreur de la part de Ziwu, je trouve. On est pick middle, Mizuta se prend un bon moins 40 d'un hit de Deagle, comme on aime, le bon Deagle. Dexter qui en fait un autre sur l'arme conservée, il est revenge, on est désormais en 4v3 côté CT, on va voir un petit peu là au niveau de la carte comment ça se passe. Très intelligent Chopper qui est en réaction 4v3, ils savent que le contrôle est middle. D'accord, les CT là ils ont dit ils sont beaucoup middle, rusher sur les extrémités. Donc là c'est Chopper qui le rush et pas le B. Et là on est en stack B et ça va arriver en stack B. Donc on a des kills qui partent à l'avantage. Des terreaux, on est 2v2 désormais sur le BPB. Magix qui va en faire un. Sam Dayang qui est totalement caché. Hein.
Mizuta ne le sait pas. Il sait qu'il y en a une voiture, mais il sait pas où est Sam Dayang. Voilà, ils ont été vus. Là Mizuta le sait qu'il est chopper, il va essayer de refermer le plus rapidement possible. Ah, Mizuta, il est dans une sauce là. En plus, il a un HP, merci, au revoir, on prend l'écho. Catastrophe. Donc là, beaucoup d'erreurs de la part de Vitality, je trouve. La première est celle de Ziwu d'être ici et de jouer les duels, je sais pas, là et là, de spammer un peu dans les smokes. Ça n'a aucun intérêt. Faut vite se mettre à l'abri derrière la caisse. Voilà. Faut vite se mettre à l'abri derrière la caisse. Faut vite essayer d'aller ici. Moi, j'appelle ça la pose robinet. Faut vite essayer de se mettre là. Et après, de mettre un temps de stuff. On va mettre un temps de stuff ou alors de freeze, garder les lignes. On a l'avantage. Mais merci beaucoup pour le sub à Brosnez. Mais là, jouer les duels comme ça, c'est pas ouf. Derrière, il y a eu encore des échanges middle qu'on a ratés. Mais clairement, ça joue un peu les duels. Voilà, au lieu de dézoner, au lieu d'isoler un petit peu la défense, c'est-à-dire bah, de re-smoker ici, de mettre de la molo connector, de mettre une smoke corniche. Voilà. Je préfère dépenser moi de l'argent sur le stuff pour mettre en échec la défense plutôt que de jouer les duels comme là ils ont fait sur-rusher quoi. Ils se font un peu surprendre là-dessus. Chopper, très bonne réaction. Il push tout le A pour les renfermer. Eux, bah, vu que Chopper fait le move de rusher en A, il dit, ah, les gars, il n'y a rien en A. Faites un stack B. Il y a un mec, deux mecs, trois mecs en B pour réceptionner les trois terreaux aussi. Mais 3v3, armé par armé, quand tu te précipites, quand tu es hors de position, quand tu es en train de rusher comme ça, que tu dois checker toutes les lignes, tu peux te cacher QBP, tu peux être caché défaut, tu peux te cacher voiture, tu peux te cacher bench, tu peux être déjà dans l'appart aussi, tu peux être là au contact aussi derrière la caisse, tu peux être kitchen avec des visuels aussi sur la corne. Il y a tellement de zones à check et pareil, ça manque de smoke pour isoler, ça manque de structuration. Donc là, on voit qu'on se précipite aussi sur le B et c'était pas la bonne manière, pas forcément le bon call, mais pas la bonne manière. Il faut y aller beaucoup plus lentement, dépenser plus de stuff, mettre. Voilà, s'assurer de gagner les rounds plus facilement. Donc là, beaucoup d'erreurs, je pense que beaucoup de gens font en fait. C'est-à-dire que là, c'est beaucoup de précipitation, peu de rigueur, peu de discipline sur la gestion du stuff, contre de l'écho en plus. Donc peut-être un peu d'ego, jouer les duels et tout machin. C'est des choses auxquelles il faut faire très attention. Et ça arrive à tous les niveaux quoi. Ça arrive à tous les niveaux. C'est le A sur Breezy quoi. Ouais, voilà, t'as vu, c'est ça en fait. Tu joues les duels, tu cours, t'as pas de smoke, personne n'est isolé, c'est dans la merde. Et bien évidemment, on perd le pire des rounds parce que tout de suite, on n'a plus d'argent. Voilà, parce que le round d'avant ici, on a perdu 4 armes. Voilà, on a perdu 4 armes ici, donc là, plus d'argent. Côté CT, petite flash pour mettre un petit peu dans la merde les mecs top mid. Mir, il a fait le move dans la corniche, mais bon, voilà, il a été vu, il a 2 HP, vaut mieux qu'il se barre. Hein, on peut voir que Chopper, oh là là, Chopper, attention, ça fait déjà 2 rounds que je trouve qu'il est trop agressif un petit peu sur le A. Quand je dis trop, c'est très agressif, mais un peu trop pour les terreaux quoi. Et c'est pas à notre avantage parce qu'il est en train de prendre un petit peu trop ses aises, le copain Chopper. Donc il va vraiment falloir le détendre. Shox qui fait un entry sur un mec en B qui a voulu push. Hein, voilà, donc Shox qui était à part B. Donc là, on est... attention, ça relance le round. Parce que on arrive à faire un kill. Chopper, attention. Oh là là, il arrive à en faire un. Il a toutes les infos de la rotation. Il va gagner beaucoup de temps. Apex qui est en réaction, qui arrive à resserrer le connecteur. Apex, il a le round là. On va voir Apex comment il s'en sort. Parce que là, il a le round clairement. On est 4v4. Apex va essayer de s'affaisser Chopper. Oh là là, il fait le kill. Magnifique. Oh là là, j'ai eu peur là. J'ai eu très très peur. Donc là, Apex il a le round. Non, il faut le faire au couteau, ça, Dany, frérot. Il faut pas le faire au P2. T'as pas assez de vélocité. Donc là, on rétablit la balance. Mir est absolument tout seul. Sam Dayang va être hors de position très bientôt. Mir arrive à faire un kill. Il a un HP, Mir, hein, je le rappelle. Voilà, Mizuta qui met un beau one tap comme on aime. Un peu de spectacle, ça fait plaisir. Ziwu qui revenge sur le mec Market qui veut faire la reprise un petit peu rapide parce que c'est sa seule solution. Quand on reprend comme ça tout seul, les gens ils disent non, mais faut pas reprendre tout seul, faut attendre ses potes et tout. Là, faut vraiment reprendre tout seul comme il a essayé de faire Sam Dayang pour essayer d'apporter entre guillemets l'effet de panique. Donc, pas tout.
tout n'est pas universel, quoi. Des fois, il faut vraiment essayer de reprendre Gogol, que ce soit au niveau du market ou que ce soit au niveau de la window, pour essayer justement de faire l'exploit. Et là, bah, Ziwu, pas naïf, il le punit. 3v1, rune maîtrisée à l'exploit, j'ai envie de dire, avec Shox qui arrive déjà à faire un gros entry kill, qui permet de prendre beaucoup d'espace. On a Mir aussi, ça change tout, parce que Mir ici avait un HP, donc ça veut dire qu'après, il a joué reculer tout le rune. Chopper en réaction... Chopper me casse un peu les couilles, on va pas se cacher, et il reste encore en vie en plus. Chopper en réaction qui était ici, donc qui arrive à prendre un kill et se repositionner, donc derrière c'est redirection en B. Mais Apex était une épine dans le pied parce qu'on avait peur de la kitchen et tout le bordel, parce qu'Apex avait fait un gros kill, surtout qu'il est que OP 250 et qu'il avait vraiment pas l'avantage, je crois, sur Dexter qui avait la ligne. Donc bon round d'Apex, bel exploit de sa part, bon round de Shox qui fait un entry, et Ziwu qui finit un petit peu un kill facile, quoi. Mais il faut pas être naïf. Kill facile, mais faut pas être naïf. Biblix, merci beaucoup pour le sub. Merci à ceux qui s'abonnent là sur Twitch, les potos. Donc là, voilà, on a compris. Hein. Ah, on va plus middle comme des sgeg ici top mid. On passe par l'under désormais, donc tranquillement. Et Ziwu, dès que eux vont vider le connecteur, voilà, Ziwu va commencer à y aller. Voilà. Donc là, pareil, encore une fois, c'est le même principe que ce que je vous avais expliqué sur la 2-2-1. Donc là, on est 2. Là, on est 1, 1 et 1. Ça veut dire que les 1 ne doivent jamais mourir avant le groupe de 2. Parce que sur le groupe de 2, on peut se revenge. Et les 1 ne peuvent pas se revenge. Donc c'est à eux de vider. Une fois que eux ils ont vidé, Ziwu s'engage pour le contrôle middle, et eux ne doivent pas mourir. Ils contrôlent l'appart et ils contrôlent la pente. Comprenez bien, on appelle ça des priorités de rush. Donc ça se passe en terreau, ça se passe en CT, c'est pour avoir des informations numériques. Et on voit bien que là pour l'instant tous ces timings sont respectés, donc c'est du beau jeu. Prise under, on vide le connecteur. C'est du force buy côté CT. On va se mettre sur Mizuta. Voilà, et on décale ensemble. Voilà, et on se revenge. Et Ziwu qui leur garde la window. Voilà. Tranquille. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Je vais rien dire. On peut être naïf de Ziwu là par contre. Bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là le problème c'est que on va connector et on croit que c'est la map à notre daron, quoi. Voilà, et on peut voir depuis tout à l'heure que Spirit il morde pas. Il morde absolument pas. Chopper depuis tout à l'heure. Je vous donne un exemple qu'il morde jamais, c'est parce que Chopper, bah, il est agressif sur sa Penta. Donc en fait il a l'info early, il a l'info très tôt. Donc Somdayang, bah, il a que le connector à regarder. Dexter, il lui dit vas-y garde-moi l'appart. Vous voyez, on peut voir que Dexter il a une visue sur le balcon. On peut voir que Dexter il a une visu sur le balcon, parce que Chopper il a une visu Penta très agressive. Donc rien que Chopper depuis tout à l'heure, on peut voir que à quel point il a un impact psychologique sur sa défense. À quel point il libère beaucoup d'informations. À quel point il fait du bien à sa défense. Parce qu'il dit, Somdayang, t'inquiète mon ref. En A ça sortira jamais, t'inquiète pas, occupe-toi de ton collector. Et là t'as Apex et Mizuta qui pensent que la map elle est à eux en fait. Et que je sais pas, les mecs qui sont reculés, qui sont là, j'en sais rien de ce qu'ils pensent en fait. Mais là, on y va naïvement, quoi. Donc là, pour moi, il faudrait que Kyojin ou Shox fassent de l'activité. Sans mourir. Ça veut dire que Shox, bah, il envoie une petite molle au balcon. Ça existe, hein. Tout le monde a déjà vu un mec à part qui molle sur le balcon. Si molle sur le balcon, peut-être que Somdayang, au lieu de regarder le connecteur, bah là, d'un coup, il va regarder le balcon. Et si Somdayang regarde le balcon, ça crée du bait. Pour les mecs qui étaient ici là, Mizuta, Apex, ça crée du bait et ils pourront y aller. Peut-être qu'on peut demander à Kyojin de faire un fake, vu qu'il est reculé Penta. Bon là il s'est avancé escalier, mais à la base il était reculé ici. On peut lui dire vas-y mets des flashs par-dessus le A, mets des flashs par-dessus le A. Comme ça Chopper il dit Penta, 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 Penta. Et là Somdayang il va regarder peut-être la Penta, il va dire ah, t'inquiète j'arrive. Donc là il est bait encore une fois, il faut créer du bait. Il faut créer de l'activité. Et donc là pour moi ça manque de ça en fait. Ça manque de ça. Et surtout, Chopper, je pense, qui est l'élément clé dans la défense là pour le coup de ce début de partie, parce qu'il fait beaucoup de mal. Voilà, il fait beaucoup de mal à Vitality, ne serait-ce que par son positionnement très agressif. Donc très agressif veut dire avoir l'info très tôt. Et donc là, c'est un peu difficile parce que Ziwu là pour avancer d'un AWAP
me dis, oula, il est dans une situation, frérot, il doit sortir de là, connector, close range, des combats close range à la WAP, c'est compliqué. Keox, merci beaucoup pour le sub, mon frérot. Ça va ou quoi, Leroy? Ah, et en plus, il va y aller avec une flash. Oi, 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 oi. Non, il met juste de l'activité. Voilà, il met juste de l'activité pour Kyojin. Kyojin arrive à faire un bel entry. A fait un bel entry sur Chopper, sauf que Dexter a fait le kill sur Shoxi. Ziwoo, il va nous mettre le clutch, je vous le dis. Ah là, ça y est, Magix, il le sait. Il le sait qu'il faut pas qu'il y aille. Voilà, parce que Ziwoo avait fait un kill corniche. Hein. Il avait la ligne ici. Et maintenant, il est 1v3 Ziwoo. Ce qui va nous faire... Oh là là là. On le sait que c'est la WAP. Ça aussi, ça c'est magnifique. On peut voir encore une fois que Spirit joue très très bien. On sait que Ziwoo a un AWAP. Ce qui fait peur aux AWAPers, ce qui met en échec, ce que j'appelle la mise en échec, ce qui fait mal aux AWAPers, c'est des smokes, parce qu'ils sont derrière les smokes. Après, ils peuvent toujours googoliser la smoke et repartir. C'est des molos, voilà, de les mettre en échec derrière des molos aussi. Et c'est les flashs. Donc tu les prends, tu les mets à la balle les couilles en fait. Et là vous pouvez voir qu'ils sont ici, ils flashent là, ils flashent là, ils reflashent là. Ils en ont rien à foutre. Mais parce qu'ils veulent lui faire sauter sa ligne. Et vous regardez que là Ziwoo, bah, depuis tout à l'heure, bah, il peut rien faire. Quoi. Et, tout le monde... et en plus Magix a repris pendant ce temps la jungle. On est déjà au niveau, enfin là il est vraiment acculé Ziwoo. Donc ça va être très dur pour lui parce qu'il a vraiment été mis en échec de la meilleure des manières en faisant sauter sa ligne plusieurs fois. Ah, maintenant on sait où il est, il a tiré, on décale, on le tue. Donc là c'est un très beau clutch de la part de Team Spirit, on peut voir qu'ils sont all. 3 à 2, on est qu'aux 3 armes côté CT. On est qu'aux 3 armes, gros bonhomme, merci pour le sub. On écoute 3, on est qu'aux 3 armes côté CT, côté terreau on a planté la bombe. Donc on a un bonus d'argent, donc on peut quand même buy ce round là. Surtout que Ziwoo bah, il a encore un petit sniper et tout. À voir ce qu'ils vont nous proposer, Vitality. Là, il faudrait faire une spécifique. Voilà, depuis tout à l'heure, ça fait 5 rounds qu'on voit quoi? Ça fait 5 rounds qu'on voit de la 2-2-1, ça fait 5 rounds qu'on voit du contrôle map, un petit peu éparpillé, qu'on se redirige, etc. Là, pour moi, en tant que capitaine, en tant que lead, je pense que là, c'est le bon moment de changer de rythme, de leur faire... surtout qu'on n'a pas beaucoup d'argent, je pense, pour, entre guillemets, prendre du stuff, etc. Donc, on ne va pas pouvoir faire du contrôle map, appel de jeu et tout machin. Donc là, je pense qu'il va falloir envoyer de l'exec d'un round spécifique, quoi. Soit une grosse CPL, soit un fake de temps. Mais il faut faire un round spécifique. Donc, on va voir. Après, ça m'étonnerait aussi parce que Ziwoo a son sniper. Et donc, on aimerait jouer sur le sniper. Donc, peut-être que ce que je dis, c'est de la merde. Ah, quoique, c'est pas trop de la merde. On va en high, on met beaucoup de pression et on joue sur le snipe de Ziwoo. Voilà. On joue sur le snipe de Ziwoo. Donc là, le but, c'est d'envoyer de la flash, de la flash, de la flash, comme vous avez pu voir. Et on envoie Ziwoo au charbon. Là, ça va faire très peur de décaler cette ligne-là. Voilà, on lui a mis une petite flash, encore une fois. Là, on le sait. Dexter, maintenant, il se prend pas la tête. Quand il y a la corne. Petite flash encore. On fait bien sauter les lignes. Chopper arrive à en faire un. Ziwoo se fait décaler par Dexter. C'est très décousu ce que nous propose. Choc, ça y est, c'est fini pour toi le lurkage, mon poteau. Et c'est qui le deuxième? C'est Apex qui était à Parta. Donc là, on peut voir encore une fois un round pas très discipliné de la part de Vitality. On a bien évidemment l'idée de base que je trouve bonne, c'est-à-dire de jouer sur le sniper de Ziwoo. Moi, j'aurais pas pris de sniper, soit. J'aurais pris AK full stuff pour Ziwoo. J'aurais fait une spécifique. J'aurais pas joué moi sur le sniper perso. Mais pas grave, après c'est Ziwoo frérot, tu peux jouer sur le sniper. Je suis en train de dire des conneries. Donc bien sûr qu'on joue sur le sniper de Ziwoo. Zigounette, ça reste Zigounette. Donc on peut. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc là on veut jouer sur le sniper de Ziwoo. Le problème en fait c'est que bah, il trouve pas de vis-à-vis. Voilà, on a encore une fois Chopper qui fait son taf. On a Dexter ici à la WAP. Qui est très efficace aussi. Voilà, donc il décale Ziwoo qui le tue. Après avoir repris la ligne, après avoir mis de l'activité, etc. Parce que Ziwoo, en fait, là, il est dans la merde. Comme vous avez pu voir, il a fait ce qu'on appelle un swing. On a Ziwoo qui décale. Il a fait sauter. Il a demandé une flash. Dexter a reculé. Donc Dexter, il a la ligne balcon. Et Ziwoo, il a la ligne sur la rampe. Ça veut dire que si Dexter décide de décaler, il se fait tuer. Mais le problème, c'est que Chopper a fait un kill. Donc Ziwoo, vous l'avez vu. Bah, il a plus regardé trop ici. Il avait un peu, je sais pas, son œil sur le radar, son œil sur le temps, son œil sur la com. Tu vois, peut-être il écoutait, peut-être que. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, bah, Ziwoo, il était un peu, entre guillemets,
pas surpris, mais monopolisé par la com, les infos, le kill qu'avait fait Chopper. Et donc Dexter, il le décale et on voit bien que Ziwu, il est pas préparé à ça. Et donc c'est le principe du swing. Mir qui fait un entry sur le middle parce que Apex il croit que c'est la map à Sadaron. Et de l'autre côté, on accélère en A, sauf que Chopper est très reculé, il est en phase de retake. Dexter qui en fait un, Dexter qui en fait deux, Chopper qui est là, merci, au revoir, bien maîtrisé. Perfect, on perd pas d'armes côté hétéro. Pas mal. Pas trop mal. Pas trop mal côté hétéro. Côté CT, pardon. Le round est bien maîtrisé. Surtout que là, on économise beaucoup d'armes, là, côté CT. Là, ouais. Là on a éco 3 armes. Sur le clutch 1v3 de Ziwu. Là, on a éco 4 armes. Là, on a éco 5 armes. Ça veut dire que l'argent, maintenant, on en a. On a du round bonus derrière. Même si on perd des rounds, on sait qu'on peut revenir dans la partie. Alors que côté Vitality, l'argent, c'est pas trop ça. Hein, on peut voir que Ziwu est à la Galil full stuff. On a Shox qui est au Mac 10. Voilà, on sait. Oups, voilà, Shox est tout de suite mis en échec. Un HP en plus, ça y est, c'est fini pour lui. Mir en réaction. Oh là là, Mir en réaction là-dedans. Ziwu qui a réussi à faire un kill, qui sort sur Chopper. Ah, ça y est, Chopper, on arrive à le punir un peu. On lui envoie Ziwu sur la gueule. C'est magnifique. Donc là, on est 4v3. 3v. Putain, Dexter. Oh là là, Dexter, il nous fait mal. 2v2 désormais. Tout est jouable. Hein, tout est jouable. Oh, attention. Magic, ça, oh là là, qu'on fait. Hein. Là, il faut que tu le cover, ton ami Apex, là. Ok, Apex qui réagit très très bien, qui va chercher le deuxième et pas le premier. Et qui fait le 1v2. Très très bon choix d'Apex. Alors, je reçois souvent le comment clutch, de tuto clutch, pas tuto clutch. Il n'y a pas de tuto clutch, c'est situationnel. Mais je vais vous apprendre un truc. Là, on a Magix, on est 2v2. Apex, déjà, il est censé couvrir son pote, déjà. Mais c'est pas grave, il meurt. Son pote, ok. Magix, il est ici. Vu qu'il a fait un kill, Magix maintenant il va se cacher. Parce qu'en fait Apex il va être parano de lui. Normalement, là t'entends Panta, il me reprend. Et donc là en fait ton pote entre guillemets, tu l'as rendu parano de la Panta. C'est ce qu'on appelle le principe de la parano. Et en fait Apex, très expérimenté quand même, faut respecter le monsieur. Donc lui, bah, il sait que Magix ne va plus jamais décaler. Parce qu'en fait il a tellement fait peur à l'adversaire que tout le monde est tétanisé par la Panta maintenant. Ben en fait, Apex, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va swinger ici. Et il va chercher le duel là. Là. Pour aller chercher le deuxième qui, lui, va être naïf. Parce que le deuxième, il est là en mode... tu l'as tué, Panta? Ouais. J'ai tué le mec BP. Il croit que j'ai repris BP. Il pense que... Tu vois, il pense que... Il me regarde, quoi. Et donc Apex qui fait le deuxième kill sur le premier kill pardon sur le 1v2 du mec naïf. Et lui après bah, il sait où est le deuxième, donc il le joue après à l'exploit individuel. Il le gagne, il va essayer peut-être d'économiser le sniper je pense. Voilà, il a eu le snipe, on est bien. Par contre voilà, on est qu'aux 4 armes, on fait tomber 4 armes, on est qu'aucune seule arme côté terreau. Donc l'argent c'est pas trop la folie non plus. Alors que côté CT on est toujours bien, hein. On a Dexter qui va avoir un sniper, etc, etc. Mais le score on est là, on est dans la game, hein. On est clairement dans la partie. 4-4, là c'est un bon moment de mettre une pause tactique là, côté terreau. On peut voir que là ils mettent une petite pause de 30 secondes. Donc là c'est très intéressant ce qu'ils proposent. Petite pause pour parler un petit peu, voir ce qui a été, ce qui a pas été. Est-ce qu'on refait du A, est-ce qu'on refait pas du A? Là Ziwu qui fait le kill sur la Panta. Ouais Chopper il est tout le temps en contact. Viens on le CPL, viens on le fake, viens on fait un truc. Ou alors je le décale à la WAP. Ou alors non vas-y on va B, non on fait une split B, non on fait un truc. Là il faut parler tactique, là il faut parler, voir un peu ce qui a été, ce qui a pas été. Et ce qui doit fonctionner. Parce que là depuis tout à l'heure ça faisait quand même 3 rounds qu'on se faisait vraiment malmener. Là on met ce round un petit peu à l'exploit individuel j'ai envie de dire. Pas une maîtrise tactique ce round, c'était vraiment des échanges de tirs, des échanges de duels quoi. Donc 4-4, full armée, AWAP de deux côtés, 16 kills hein, Dexter, 16 kills déjà. Il est en roue libre Dexter. Donc prise de mid, voilà, Apex qui met en échec Somdayang, qui lui tire un peu dessus en plus, Somdayang qui va devoir reculer, Chopper qui est déjà dans la part. Quoi. Chopper, il est déjà dans l'appart. Hein. Chopper, moi. Dexter, Pikawap. Je vais dire Chopper parce que depuis tout à l'heure, c'est que lui qui fait le cochon chez les CT. Mais là, on peut voir que, voilà, hein, on est confiant. Et on est 3 et on délaisse tout le mid. Hein. On leur laisse la corne, on leur laisse le connecteur, on leur laisse tout, on n'a pas peur. Somdayang qui est
responsable du kitchen si ça rentre dans la kitchen, chopper qui garde un peu le connecteur, un peu la penta, et on n'est pas trop mal. Donc là, on envoie le contrôle middle, côté terreau. Donc on envoie de la smoke dans le pigeot, la smoke dans le connecteur. On envoie aussi côté corniche, on deny, voilà, vous passerez pas. Prenez juste le P2, mais on vous donnera pas le reste. Oh là 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 là, on gogole la smoke, on gogole la smoke. Oh le gag! On est 3v3 désormais, ça part à l'avantage des terreaux parce qu'il y a eu des échanges un petit peu partout. 3v3, on sait qu'il y en a un BP. Oh là là, Somme Dayong, il fait mal. Somme Dayong, il fait très mal. Il fait très très mal, Somme Dayong. On sait qu'il y en a un balcon, il est tué par Chopper. Somme Dayong, là, il joue très très bien. Je sais pas si vous vous rappelez du round là où on prend l'écho. Somme Dayong, il avait fait déjà très très mal. C'était lui qui était enfoui sur le BP. Donc là, pareil. Je sais pas trop, on veut encore gogoliser les smokes et tout. Tout le monde est un peu blanc et tout. Mais les mecs, en fait, les CT, ils étaient 3. Ils étaient 3 en B. Rappelez-vous, hein, Dexter, le fait qu'il soit agressif avec Chopper qui avait le. On était 2A, quoi. 2A, 3B. 3B, les terreaux s'y attendent pas forcément. Et donc, Somme Dayong qui fait le finish, quoi. Voilà, toujours un peu agressif. On a l'info early, on est full écho côté de terreau. On essaye de sound, ça passe middle. On joue la IM map, on redécale. On deny un peu le. Enfin, toujours ensemble, hein. Molo plus HE. Shox qui arrive à sortir une belle patate. Somme Dayong qui apporte le surnom. Regardez, hein. Toujours l'intention d'y aller ensemble. Hein. Les CT, toujours l'intention d'y aller ensemble. Hein. Ils étaient 4 dans le middle. Hein. En réaction, bien sûr, mais 4 dans le middle. Hein. Et toujours une Molo plus une HE. Hein. Au cas où, vous voyez, on voit que la com, Synergy, Team Spirit, ça joue très très bien. Très très sous-coté cette équipe. Très très sous-coté. J'aime beaucoup ce que propose Team Spirit depuis tout à l'heure. Donc 4 rounds pour Vitality, dont 2 grâce au pistolet. Et là, on prend l'écho, je le rappelle. On a mis 2 rounds d'armée un petit peu aux exploits individuels, on va pas se le cacher. Donc pour l'instant, je trouve que Spirit maîtrise un peu mieux la partie. Chopper qui est mis en échec. Ah, ça y est. Chopper qui est mis en échec. Donc là, vous pouvez voir que tout de suite, il a reculé. Par contre, vous allez voir, on a pris le Tetris. Ziwoo est déjà là. Apex tout seul middle. Je ne suis pas fan de ça. Pas parce que c'est Apex, je le répète à chaque fois. Mais je trouve qu'il faut toujours essayer d'assurer le revenge. Il faut toujours essayer d'assurer un petit filet de sécurité au cas où il y a quelqu'un qui meurt, qu'on puisse un petit peu se refrag. Et là, Apex tout seul, je suis pas un grand fan. Donc là, Chopper, on lui met une phase de jeu un peu plus rapide. On peut voir qu'il y a une smoke CT instantanément. Cette smoke-là, elle vient des CT. Cette smoke-là, je ne sais pas d'où elle vient, pour le coup. Somme Dayong en réaction qui vient aider à porter du crossfire ici avec son AWAP. Mir tout de suite en réaction qui push la corne pour apporter le crossfire ici. Et Mir en plus Apex. Donc là, on est clairement sur un 50-50. On va voir ce qui va se passer. Je vais me mettre sur Apex. Ou pas, non? Je vais me mettre avec les mecs sur le A peut-être. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Il y a deux plays très importants là. Il y a deux plays très importants. Il y a ce groupe d'attaque et Apex qui va lurker. On va se mettre sur Apex parce que c'est lui le lead. Donc c'est lui qui en général dirige un petit peu la com. Allez, on va voir ce que ça donne. Il est en slow. Ok. Est-ce qu'Apex va être naïf de la corne? Non, il est pas naïf. Il se cache de la droite. On est très très bien. C'est Apex Calrun là normalement, encore une fois. Hein. C'est qu'il est connector, il attend. Est-ce qu'il va débouler connector ou pas du tout? Voilà, on attend. Bon, il veut pas se faire connaître. Il demande une smoke à ses potes, c'est très très bien. Apex qui attend le mec corniche. Très important. Là. Là, il lurk très très bien Apex. Il lurk très très bien. Il a eu envie d'accélérer. Hein. Et avec sa smoke là, il a eu envie d'accélérer. Hein. Après, heureusement que ses potes, ils lui ont dit non, t'inquiète, on te smoke connector, garde ton lurk, reste dans ton lurk. On voyait qu'il avait envie d'aller à la bagarre un peu. Mais là, Apex, il fait un très bon round. Enfin, c'est pas Apex qui fait un bon round, c'est Shox déjà qui fait l'entrée sur le A. Donc, qui permet à donc Mir de venir un peu sur la corne. Il lâche son P2. Donc, après Apex, à son timing, il fait un gros. C'est un gros kill hein, qui fait Apex. Et là, c'est fini, hein. On va écho. L'argent, c'est important. Donc, on va écho. Donc beau round de la part de Vitality. Je savais qu'il fallait que je me mette sur Apex. Je le sentais qu'il fallait que je me mette sur Apex. Attention, ça aurait pu être double tranchant. Double tranchant, ça passe ou ça casse.
s'il meurt, là, si Apex il meurt, pour vous donner un exemple, hein, si Apex il meurt ici, là, sur le duel, Mir, il gogole. Hein, il saute dans le mid, il apporte du surnombre ici. Il y a Dexter qui est là, il y a Chopper qui est toujours en vie. Non, Chopper est mort, mais tout de suite, c'est plus du tout le même round. Mais là, Apex fait le kill, très important. Il a respecté un petit peu ses timings, donc validé. La baston. Ouais, on a vu hein, quand il a pris sa smoke, j'ai dit vas-y, il va smoker et aller dans la baston. Donc là, qu'est-ce qu'on fait côté terreau ? Chopper, qu'est-ce qu'il nous fait ? Il est under window. Il va contact Panta agressif, comme d'hab. Hein. Vraiment un cochon. Eh, hey, Chopper, c'est un putain de bulldog. Hein. Ah ouais. C'est un bulldoguignot, le cous là. Donc de ce côté là on a quoi? On a Shox qui est prêt à mettre une smoke stairs. On a Mizuta qui est prêt à mettre une smoke jungle. Les smokes sont partis. Non, c'est une smoke CT de renouvellement. Les smokes vont partir je pense pour essayer de créer du timing sur le mid. Pour essayer de prendre ça. Regardez Mir. Mir, j'ai même pas vu. Il a push le B. Ou alors il a push l'under pour aller escalier. Ouais, il est escalier. Donc il a push le B. Donc là il va vider le B. Voilà, il va vider le B. Là il va dire hey, les gars, barrez-vous en A. Là ça arrive en A. Sauf que là des smokes arrivent. Chopper va devoir gagner du temps. Voilà, donc là c'est parfait. Oh putain, faut que je pose. Donc là pareil. On a un groupe de 3 et un groupe de 2. C'est toujours le groupe supérieur numériquement qui met de l'activité avant le groupe inférieur. Donc là on peut voir que Zibou et Apex, ils étaient là et là. Et donc là on a Shox et Mizuta qui ont envoyé leur smoke. Ça va aspirer la défense. Donc on voit que toute la défense est en train d'aspirer ici. Donc ça crée des timings sur le mid. Et là on peut voir que Zibou et Apex, ils y vont dans des bons timings encore une fois. Sur le mid. Et Mir qui va arriver under, attention. Donc là ça fait mal. Donc là Chopper, il faut qu'il gagne le maximum de temps possible. Somme Dayang, Dexter, ils arrivent. Magix, peut-être il va avoir ses couilles pour reprendre la kitchen. Avec autant de temps, là il reste une minute. Ça fait 45-50 secondes qu'on n'a pas eu la kitchen. J'aurais pas pris le risque moi perso, mais on va voir ce que ça donne. Ouais voilà, il le prend pas. Ok, on a affaire à des joueurs pas très malins visiblement. Apex qui va dans le collector. Zibou qui va corniche. On va splita. Zibou qui en fait un. Ah, Chopper qui en fait un quand même. Mizuta qui en fait deux. Manupu 4v2. Le round est fini. Très très belle splita. Très belle splita. Tout le monde était hors de position. Mais très très belle splita de la part des terreaux là. Les timings sont respectés, les échanges partent. Je suis pas un fan que Zibou aille tout seul dans la short, pour le coup. Il fait un kill, hein, Zibou. Il a fait un petit kill. On est 1v2, là. Wow. Ça part en couille, là. T'es 4v2, frérot, on se retrouve 1v2. Je suis pas très fan de... Tout à l'heure, c'était Apex qui a envoyé Zibou dans le P2. Là, ils refont exactement la même chose. Je suis pas un fan, moi, que de ce split comme ça en 1-1. C'est trop de risques, je trouve. De temps en temps, faut le faire, tu vois. Mais là, on peut voir que depuis le début de la game, Spirit, quand même, ils sont assez solides sur leurs appuis. Là, après, c'est un round très important. On revient à 6-6. Ça commence à être un très bon side set d'attaque pour Vitality. Hein. Donc là, c'est bon. Oh, ça a failli partir en chicha, là. Mizuta est solide. Mizuta est assez solide. Il fait un bel événement depuis le moment. Donc là côté CT on bail, on a un AWAP, c'est important. On a des MP9, on va peut-être faire des trucs spécifiques. Dexter qui fait un pic au niveau de la Panta qui fait le kill sur Mizuta. On a Apex qui est tout seul. Chopper qui est là, défaut. On sait que c'était triste, il a demandé une flash. Il a l'info Chopper là. Et en plus ils se smoke, c'est impossible à y aller, ils vont être obligés de repartir, ouais, obligés. Apex, regardez, pendant ce temps-là, il va tout seul en B. Et Apex, il a des couilles en béton armé, frère, je vous le dis. Apex, il a des couilles en béton armé. Là, on va commencer à se douter du B. Là, d'ici 2-3 secondes. Voilà, donc Dexter qui va commencer à dire, il n'y a plus rien en A. Là, Chopper, tout ça, Subdayang, il n'y a plus rien en A. Moi j'ai le P2, j'ai mon vote mid, il n'y a rien qui est passé connecteur. Donc là regardez, et franchement il joue très très bien les CT je trouve. Hein. Réaction, on ne cherche même pas à comprendre. Chopper il vide tout de suite le... Chopper, c'est pour ça, Apex il est russe. Vous voyez, hein. Chopper Apex c'est les mêmes gros, c'est deux alter ego. Frère.
Donc là, chauffeur Apex qui fait le kill sur monsieur là, Dexter, qui a décidé de reprendre le B tout seul en croyant que personne s'était infiltré. Il a oublié qu'il jouait avec Apex, contre Apex. Abaen, merci pour le sub. Shox qui en fait un autre. 4v3, merci, on va save. Allez hop, ciao. Et on a Shox. Oh là 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 là. On a Shox ici. Ok, il se fait tuer. 3v3 désormais. On a Ziwu qui est là en plus pour avoir un contact. Ah, il se fait tuer par Mir. Pas naïf. Mais on va écho. 7 rounds pour Vitality. Le side est très très bon de leur part désormais. Alors qu'au début de la partie, franchement, on voyait bien quand même que Spirit avait quelque chose. Je trouve qu'on... on a mis tous ces runes là, ici, ici, à l'exploit individuel, ce qui a mis une économie pas ouf. Là, c'était une grosse splita qu'on met, vraiment une belle splita, je crois. Là, c'était un rune maîtrisé aussi. Là, encore une fois, c'est de l'over-rotation des CT. Là, on peut voir que les CT, maintenant, ils commencent un peu à over-rota et tout machin. Ils sont plus aussi solides qu'au début de la, du début du side. Smoke rapide window, Mir il cherche pas à comprendre, il va vider instantanément le B. Franchement il joue bien, hein. Je trouve que les CT jouent très très bien. Ils ont de très belles réactions. Il arrive window, il voit qu'il se fait smoke, il saute en réaction. Il est ici avec Magix machin. Donc tout de suite on va réussir à dire à la défense, allez en B, allez en A, allez en A. Donc là Mir il vide, Magix il vide. Là il faut déclencher maintenant. S'il déclenche pas maintenant, regardez, Magix il va lâcher. Hop, ça va apporter du surnombre de ouf en A. On va être 4. Donc là il va reprendre la corniche pour être en crossfire sur le connector. Et on a Mir qui va resserrer derrière. Là c'est le timing maintenant de déclencher. Sinon ça va être la sauce de ouf. Sinon ça va être la sauce de ouf. Là le round peut vraiment partir en cacahuète. Mir il a le play là. Là Mir il a le play. Oh putain de merde. Spray contrôle, donc là on va être en réaction tout de suite, on va déclencher normalement. Voilà. Sauf que Chopper il va nous faire du mal je pense. Chopper il va nous faire du mal de ouf. Ce qui va être check Chopper. La mollo a été ratée. Ils sont payés 30 000 euros par mois, ils ont raté la mollo. Ah, je vous en supplie, qui c'est qui rate une mollo là là en 2021 sur Mirage. Qui rate une mollo ici là? Bordel de merde. Dexter il est en roue libre, hein. 20 kills. Alors que nous côté terro on est bien, on est aussi homogène. €30 000 par mois? Ouais Nadir, ouais. Il y a même des gens qui sont payés plus que ça gros. Si vous c'est beaucoup plus que ça mon ref. Dexter, oh là 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 là, oh là 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 là, ouais, ça bon, c'est bon, il a lag en plus, Ziwu, on est bien, regardez côté réaction ce que ça va faire, on va voir tout de suite les réactions, en mode, il y en a beaucoup middle, il y en a beaucoup middle, Chopper, le cochon de leur équipe, ah, c'est leur Apex, Ziwu qui arrive à faire un kill, par contre, Lamir, il croit trop que c'est la map à Sadaron, donc là, Chopper, lui, il cherche même pas à comprendre, il va push, surtout que là, on est 3v4, c'est dommage que Mir, il meurt là, hein. Grosse, grosse erreur de Mir, hein. Voilà, et Chopper, il va rush la smoke, c'est obligé. Et Chopper, c'est un cochon. Je vous le dis, c'est le Apex de la Russie. Ou alors, c'est Apex, le russe, le français russe, en fait. Je sais pas comment dire, mais bon, vous avez compris. Shox, pas naïf. Shox, pas naïf, attention. Chopper qui fait le kill, hein, il va pas... Eh, hey, Chopper, frérot, s'il y avait une deuxième map ici, là, il irait là-bas, frère. Regardez, il y retourne avec un HP! Cet animal! Incroyable. Donc là, il dit, hey, les gars, il n'y a rien en A, il n'y a rien en A. Donc Dexter, voilà, B, Magix B. Donc lui, il peut pas push, hein, il a peur. Là, on est mid. Kyojin, 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 Kyojin. Oh, Kyojin, il a lâché. Oh, Chopper, il va nous faire du sexe. Oh les timings. Ah. Et Dexter en plus il avait lâché. Chopper il arrive, Chopper il arrive. Ah, Chopper il court. Là il est obligé, il est obligé, il est obligé, il est obligé. Il en fait un. Et il le met le HP en plus. Oh mon dieu. Oh Chopper. Mais je vous en supplie, je vous en supplie, je vous en supplie. Les couilles qu'il a le monsieur. Les couilles. En plus il a plus le temps de poser. L'autre il va, il rush. Et Chopper les gars, incroyable. Vous voyez des fois avoir des couilles. Des fois avoir des couilles. Donc je vous rappelle que c'est un match qualificatif pour le Major.
IEM Cologne, en LAN, tu joues Vitality, tu joues Ziwoo, tu joues Apex, tu joues Shox. C'est des grands messieurs quand même que tu joues. Hein. Donc pour faire ce genre d'initiative, il faut énormément de confiance, il faut énormément d'assurance. Ou il faut être russe. C'est au choix. Moi, j'aurais aimé être russe. Je sais pas comment ça marche dans leur cerveau. Genre, le mec a push, c'est logique. Quand j'ai dit Chopper, il faut repush. En 4v4, quand Mir là il meurt, déjà en 4v4, Mir doit jamais mourir. À 4v4, j'ai dit c'est sûr, ils vont avoir une réaction A. Ah, parce que c'est logique. 4v4, c'est un choix logique. Mais moi perso, je push la Penta, c'est tout. Et je dis, eh, les gars, il n'y a rien Penta, barrez-vous en B. Et moi, je reste Penta. Je serais resté là toute ma vie en fait. Ou alors peut-être un peu ici, quoi. Pour avoir une info early de ouf. Mais c'est tout. Et Chopper, il est allé là, frère. Il se tape avec Shox. Il se fait mettre un HP. Il tue Shox. Il recule. Et après, il a dit... ouais, mais je suis russe, frérot. Hein. Allez, hop, c'est parti. Hein. Voilà ce qu'il a fait, frère. Être russe, ça ouvre des portes. De ouf. De ouf, de ouf, de ouf. C'est pour ça que depuis des années, tu vois, je dis que Apex, fils de russe et tout, tu vois, c'est parce que vraiment, c'est dans son ADN à Apex de repush, de reprendre des informations, d'être agressif comme ça, d'être. Tu vois, il libère beaucoup d'informations pour son équipe. Il fait beaucoup d'erreurs parce que faire ça, forcément, c'est risqué. Et des fois, tu te fais punir, tu vois, tu te fais sanctionner. Mais ça apporte énormément, énormément, énormément d'espace. Ça libère beaucoup de confiance à ton équipe. Les gens ne s'en rendent pas compte. Nazim, merci beaucoup pour le sub, frérot. Bienvenue à toi. Envoyez de l'amour à Nazim. Allez, c'est parti. On envoie. Match en pause. Qu'est-ce qu'on fait? Le bilan, on est à 8-7. 8-7, on prend. 8-7, on prend. 7 rounds quand même, c'est pas mal. Bon, on prend une écho ici. Tous ces rounds-là mis par les CT, franchement, ils les ont largement mérités. Je crois que même ce round, on le mérite pas trop, nous. Celui-là et celui-là, c'est vraiment des exploits individuels. De Ziwoo qui fait des entries, d'Apex qui avait bien lurké et tout. Mais voilà, c'était du 50-50, quoi. C'était pas une maîtrise tactique, je trouve, dans l'ensemble. Mais on prend. Voilà, on prend. Derrière, on met trois beaux rounds propres et on perd les deux derniers. Gros exploit individuel là de Chopper. Attention, regardez, Chopper, il a 9 kills à peine. Hein. Il a 9 kills à peine. Hein. Et attention à quel point il fait du bien à son équipe. Très, très sous-côté, très efficace le Chopper là pour son équipe. Et Dexter, bien évidemment, en roue libre. Sniper, voilà, il a ramassé des duels. Vous savez pourquoi Dexter est très très bon là, statistiquement? Parce qu'on joue 1-1-1-1 depuis tout à l'heure. Toutes nos phases de jeu, c'est 1 ici, 1 ici, 1 ici, 1 ici. On met pas en échec et Dexter, il prenait un kill, il prenait un kill, il prenait un kill. C'était un face hit quoi, un peu pour lui. Alors que si on l'avait smoké ici basique, bah, il aurait servi à rien. Si on l'avait smoké ici basique, il aurait servi à rien. Si on avait fait des CPLA ici, 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 vous voyez les smoke là, smoke là, smoke là. Il aurait servi à rien, on aurait pu mettre plus en échec Dexter. Par contre, on aurait donné à manger beaucoup plus à Chopper, par exemple. Donc, c'est un choix tactique. Tu vois, si tu veux jouer en 1-1-1-1-1, tu t'exposes à des snipers. Si tu veux jouer beaucoup plus explosif, beaucoup plus agressif en faisant des CPL et tout, tu t'exposes beaucoup plus à des rifles. C'est un choix. Ouais, c'est un choix. Donc, faut pas croire que là, Dexter, il est en roue libre, il est trop fort. Faut aussi avouer que Vitality, il lui donne à manger quoi. Ils vont lui donner à manger tous les jours et ça c'est un peu dommage. Mais tranquille, parce que si tu donnes à manger au rifle, genre Chopper et tout, déjà que là il est en roue libre avec 9 kills, imaginez si on lui en avait donné 15 ou 16. Voilà. Donc là, en terreau, c'est beaucoup plus dur de faire les plays qu'en CT, surtout au sniper. Donc on va voir ce que ça va donner côté Dexter un petit peu. Voilà, et les Russes, on y va. Hein. On va se mettre sur Mizu. Oh là là, la flash fait trop mal. La flash fait trop trop mal. On va se mettre sur Zigounette. On veut du beau jeu là. Ouais, Apex Shox, on resserre la map comme on peut. On va essayer de faire une retake propre à 4. Ziwoo qui va se préparer. Là, les mecs corn arrivent. Hop, tout de suite, ça va sortir market. Pouah, et pff, c'est waouh. Qu'est-ce qu'il fait, Somda Young? Personne regarde la corne? Qu'est-ce qu'ils font, les terreaux, là? Personne regarde la corniche? C'est la Zumba, frérot, en Russie. Bon, bon round de la part de Spirit qui met un pistol. Ça fait un pistol partout. 9 à 7.
Côté CT, on a Apex au scout. On va se mettre sur Apex, très important. Apex. C'est un playmaker Apex, les gars. Donc c'est très important de se mettre sur sa vue à chaque fois pour essayer de comprendre le lead. Et Apex en, roule, en top frag. Hein. 12 kills. Voilà, la Russie, vous pouvez voir que c'est pas du tout le même, la même ambiance que les Français. Vous pouvez le voir tout de suite. Chopper, tout à l'heure, je vous donne un exemple. Nous, tout à l'heure, quand on a vu l'anti-écho de Shox, Shox, il a mis une flash en B, hein, par-dessus, ici, et il a mis une mollo, là, under. Ok, Chopper, lui, il s'en bat les couilles, frère. Il est allé escalier et pff, il est déjà en roue libre tout seul. Voilà. Regardez-moi ce cafard, frère. Il est déjà là. Il lâche pas le Z, hein. Il lâche pas le Z, hein. Même s'il shift, regardez, il lâche pas le Z. Donc là, il prend, il dézone son truc, hop, voilà, j'ai pris ici. Il a demandé une smoke window, il a dézoné son connecteur, réaction côté CT, qu'est-ce que ça fait? Et derrière, on avance corniche. Oh là 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 là. Mais on est là, prêt à réceptionner. On est là, prêt à réceptionner, on est 3. Hein. On est 3 et demi même, hein. Y a Apex qui arrive. Mizutak est dans les smokes. On le sait. Grosse CPL. Vous voyez, la physionomie n'est pas la même. Là, c'est déjà 1 minute 02, 01 et tout machin. La physionomie n'est pas la même. On peut voir que déjà à 1 15, à 1 20, le contrôle connector était passé. Chopper, il était repassé corniche, prêt à exécuter. À 1 05, on est déjà là. Il y a Smoke Kitchen, Smoke Market. Il y a des molos qui passent ici, des molos qui passent ici et tout machin. Vous voyez tout de suite les Russes comment l'atmosphère elle est. On joue lent, mais c'est un semblant de jeu lent et après on est explosif. C'est totalement différent du jeu français, même si les Français aiment bien faire ça aussi. Mais en termes de rythme, en termes de timing, c'est pas du tout la même chose. On est toujours un cran au-dessus en termes de rythme côté russe. On dirait Furia. Non, Furia à 1-10, ils sont au spawn, frère. Ils sont là, gros. Furia, c'est encore autre chose. C'est encore un cran autre chose. C'est un peu différent, quoi. C'est parce que tout le monde est agressif à sa manière. Les Français sont réputés pour être agressifs. Les Russes sont réputés pour être agressifs. Les Brésiliens avec Furia sont réputés pour être agressifs. Mais c'est chacun a son identité un peu. Chacun a ses subtilités, tu vois. Les Russes, c'est tu le vois avec Chopper. Il est là en slow. Voilà, il a pas lâché le Z. En slow, mais il a pas lâché le Z. Voilà, regarde encore la physionomie. On est en 4-1. Voilà, Mir. Allez, on cross la smoke. On s'en bat les couilles. Après, c'est de l'écho. Et il tue Apex. Voilà. Et là, on déclique. Regardez, on déclique. Voilà. Et on envoie de la mollo. On dézone tout à la mollo. Y a plus rien. Là, on va attendre le deuxième temps. Donc, les smokes et tout le bordel. Regardez le temps. 1-30, 1-29, 1-28. Et on y va. En slow, mais on y va. Tu vois, c'est pas... On court pas comme des gogoles. Il y a de la structuration, tu vois. On attend la flash. La flash part. Hop, c'est dézoné. Je garde la ligne. Somdayang, il était prêt à sauter sur lui. Mir, pendant tout ce temps, il était mis d'après en défense. Voilà, 1-10, le round est fini. Ça n'a rien à voir. C'est de l'écho, bien évidemment. C'est de l'écho, donc... Il y avait personne aussi sur le BP. C'était un stack B. Mais c'est pour vous donner un peu la physionomie, tu vois. Les Russes jouent en slow. Tu vois, c'est l'école un peu Navi. Donc le shift, ils le lâchent pas, les Russes, en général. En général, les Russes, ils sont silencieux sur la map. Mais c'est explosif. C'est très structuré. C'est très structuré. C'est très rigoureux. C'est très discipliné. Dire que les Russes, c'est des golemons. Dire que les Russes, c'est des débiles. C'est vraiment très, très bête de dire ça. Ça n'est pas le cas, en fait. Quand tu regardes une phase de jeu comme ça, tu vois, j'étais sur la vue d'un seul mec. Si je voulais, je peux replay le round, je peux me mettre sur la vue de tout le monde et tu verras que chacun a un plan de jeu prédéfini. Tout le monde sait ce qu'il a à faire. Moi, je dois dézoner le Tetris. Moi, je dois dézoner l'under window, l'under balcon. Moi, je dois dézoner le défaut. Moi, après, je dois smoker la jungle. Toi, tu dois smoker le spawn CT. Après, je te mets une flash au niveau de... Tu voyais bien que tout le monde savait ce qu'il avait à faire. Tout le monde met son petit sel, son petit poivre, ses petits ingrédients. On est en shift, tu vois, tout le monde est en shift, personne gogolise, tu vois, personne court, voilà. On prend une étape, après une autre étape, après une autre étape. Mais on y va tous ensemble, paquet, et c'est très agressif. Ça met une pression de fou, en fait, de jouer contre des équipes comme ça. Parce qu'en réalité, elles sont quand même silencieuses, d'accord? Parce que tu ne sais pas, ils font pas de bruit sur la map. Ils sont quand même en slow, mais ils font pas de bruit sur la map. T'entends pas des gens courir partout. T'entends juste des smokes popper, t'entends juste des molos popper. Donc tu sais pas si c'est des fakes. Tu sais pas si c'est des deux temps. Tu sais pas si les mecs ont investi le BP. Tu sais pas ça, en fait. Jouer contre des Russes, tu ne sais pas ce qui se passe.
Tu sais qu'il se passe quelque chose, mais tu ne sais pas quoi. Les Français, c'est autre chose. Les Furia, c'est... tu sais qu'ils sont là, les Furia, par exemple. Ils te mettent du stuff, mais ils courent en même temps. Donc tu sais qu'il y a des gens. C'est ça que les gens ne comprennent pas avec les Russes. Et c'est pour ça que bah moi, hier, ce match-là, je l'ai pronostiqué. Tu vois, par exemple, j'avais dit, les gars, la cote de Spirit, elle est quand même sexy. Mettez une petite map Spirit, tu vois, parce que Spirit, les gars, c'est une grosse bête noire de Vitality. C'est une équipe qui est très, 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 très sous-cotée. Ils ont des grosses individualités. Les gens les sous-estiment à fond parce que c'est pas une grande structure. T'es Spirit, c'est pas Navi, c'est pas tout ça, tout ça. Mais c'est quelque chose. En les regardant jouer, là, tu apprends les trucs. Tu dis, waouh, c'est quand même, il y a du niveau, quoi. Et après, ça dépend qu'est-ce qui te correspond aussi, tu vois. Il y a des gens qui jouent lentement, il y a des gens qui jouent agressif, passif, en deux temps, only CPL, only déclic, only 1-1-1, only 2-2-1, only 3-2, peu importe. Et tu te ressembles dans quoi? Tu te ressens dans quoi? Quand tu regardes du Vitality, est-ce que ça te ressemble? Quand tu regardes du Team Spirit, est-ce que ça te ressemble? C'est du jeu qui est professionnalisé dans tous les cas, c'est juste des tactiques différentes. C'est comme quand tu regardes peut-être du foot, tu vas avoir du 4-4-2, tu vas avoir du 4-3-3, tu vas avoir du jeu à la possession, tu vas avoir du jeu à la contre-attaque. Tu vas avoir des grosses équipes défensives, tu vas avoir du 3-5-2, je sais pas, avec gros milieu de terrain, animation, machin, ce que tu veux. C'est, tout est viable, c'est juste toi, qu'est-ce qui te ressemble, qu'est-ce que tu veux faire, tu vois. Donc là, pour l'instant, on a encore une fois pas mal de maîtrise de la part des terreaux. Là, on est qu'aux 4 armes, là, on en est qu'aux 5. Donc, on a beaucoup d'argent. On a planté la bombe quasiment systématiquement. Donc, on a quand même eu des bonus d'argent aussi. On a Dexter qui commence à sortir le sniper en plus. De notre côté, côté CT, on est sur le premier round d'armée. On est full armée, on a full stuff, on a du kit, on a de la molo, on a de la smoke, etc. Regarde le rythme, hein, regarde le rythme, hein, regarde le rythme. Hein. C'est 4-1, on cherche pas à comprendre chez les Russes. Hein. Voilà, faut punir, voilà, faut punir Apex. Faut punir, là il y a les HE, il y a les molos, il y a tout ça qui va sortir. Là dommage qu'ils ont pas d'HE. Ah ouais, bah regardez les terreaux, ils ont pas d'HE. S'ils ont de la HE, Apex il meurt. Mais on est 5v4, Apex il survit. Il a réussi à reculer de la window en plus. Il se met en position défensive, voilà, il cherche pas à comprendre. Eh les gars, je garde que la window, on est 5v4, on est pas trop mal. Donc là tout de suite, leur plan de jeu au terreau, c'est plus le même. Parce que là ils ont perdu un mec, donc le rythme c'est pas ça. Mais voilà, on dézone. Voir que Magix, voilà, on prend la smoke, on a mis une molo. Tu vois, il y a de la discipline, il y a de la rigueur. Il y a de la rigueur, il y a de la discipline. Et on est prêt à débouler. Là, on est prêt à débouler. Il y a une smoke, je suis russe, ça m'est égal. Et on y va. Dites-vous ça. Dites-vous ça. Voilà, Ziwu qui attend que ça avec Yodin. Voilà, et derrière, voilà. Dès qu'on veut structurer, dès qu'on est déstructuré chez les Russes. Voilà, et on y va, Ziwu solide, Ziwu très solide, voilà, Zinedine Zigounet, c'est ça qu'on veut là. Donne une leçon à Simple, dis-lui que c'est toi le meilleur. Donc là, tu peux voir que chez les Russes, dès qu'on est un peu déstructuré, dès qu'on se fait piquer un mec ici, ça y est, c'est fini. Le plan de jeu, c'est plus du tout le même. On sent qu'il n'y a plus du tout la même aisance, tu vois. C'est après, c'est on y va et vas-y, pile ou face. Si on met les headshots, tant mieux. Si on met pas les headshots, tant pis. Là, le premier round armé, gros souffle d'oxygène de la part d'Apex qui fait l'entry kill début de round 5v4. Donc là, on dit zivou. Mais déjà, Apex qui donne l'avantage numérique et qui, entre guillemets, va absolument découdre le plan d'attaque de Spirit. Ensuite. On a une infiltration du monsieur côté Ziwu Kyoshit, on l'attendait. Donc c'est vu, revu, on est là, on est bien. On est 11 à 8 désormais, hein. on a économisé 4 armes côté CT, on est bien. Apex, corniche, voilà, pour mettre un peu, voilà, tout à l'heure il était window, maintenant il est corniche un peu agressif. Mir qui va mettre son activité middle comme d'habitude, et on est 4 de l'autre côté. Chez les Russes c'est comme ça, et Chopper en slow, il lâche pas. Voilà. Mais c'est structuré, vous allez voir que c'est structuré. On attend la flash de Mir. Voilà, donc la flash de Mir a popé, Ziwu mis en échec, il est dans une molo, mais Ziwu il attend, il va rester dans la molo Ziwu, parce qu'on connaît, après ça c'est de l'antistrat, on connaît Chopper, parce que vous avez vu que Chopper, on l'a vu deux rounds, ben, je vous explique un truc, on peut le revoir dans 6 mois Chopper, il aura pas changé de style de jeu en fait, après c'est ce qui est aussi le problème des Russes, c'est que c'est... Tout à l'heure, je disais que c'était imprévisible parce que quand ils attaquaient, tu sais pas s'ils sont là, s'ils sont pas là. Mais dans leur contrôle map, ils sont très prévisibles, les terreaux. Et ils font, entre guillemets, des grosses paires de couilles. Voilà, parce que pas tout le monde... Ah, Emir, attention, il est déjà là dans le connecteur. Parce que pas tout le monde n'est Ziwu, pas tout le monde, il se fait flasher, il revient dans le connecteur. Il se fait smoker, il push la smoke. Il se fait mollo, il reste dans la mollo. Vous vous rendez compte de la confiance qu'il faut, de l'assurance qu'il faut pour rester dans des situations comme ça? Imaginez que là, Chopper n'y aille pas.
Bah Ziwu, il aurait brûlé 2-3 secondes dans la mollo, il serait reparti. Il aurait 50 HP, par exemple. Et derrière, on ne cherche pas à comprendre, on exec sur le B. Grosse exec, on peut voir que Shox, déjà, il est flashé. On peut voir que Mizuta, il a la tête dans le mur pour essayer de rester anti-flash le plus possible. On a smoké déjà le market. Peut-être qu'on va smoker la window, je ne sais pas. Emir qui est en lurk mid avec un échange de tir sur Apex. Ouais. Et Apex qui a gogolisé, qui a sauté corniche. What the fuck. Ok, il le tue. Voilà, Shox qui est déjà là en double AWA. Rune fini. Mizuta qu'en fait un. Rune fini, perfect DCT encore une fois. Tranquille. L'hétéro c'est ça. Hein. Chez Team Spirit c'est ça passe ou ça casse. Mais il y a de la rigueur. Il y a de la rigueur, il y a de la discipline. C'est quand même du beau jeu. Donc on va voir ce que ça donne. Parce que là l'argent, on est vraiment bien côté CT. On perd combien d'armes là? Pas d'armes, 4 armes. Donc là on a quand même un round bonus qui va arriver le round d'après. Tout le monde sera pas mal d'argent, plus de 6k. Côté terro, voilà, on fait une one man army. Donc Mir qui s'achète une petite AK. Au cas où, voilà, il y a des petits échanges de tirs, des duels et tout qui sont emportés. Toujours 4-1, hein, toujours 4-1, toujours 4-1 côté terro. Apex qui est dans l'underground, je crois. Ah non, il est window. Il est window en prise d'info, middle. Vous voyez, c'est pour ça. Les gens ne se rendent pas compte de l'impact qu'a un Apex dans une équipe. C'est quelqu'un qui libère pas mal d'espace et d'informations. Kyojin tout seul en A. Shox qui est avec lui en support. On a Ziwu qui a la ligne à la WAP. Mizuta qui est corniche. Apex qui va revenir. Attention, si on est en boost fnatique, il va se faire terroriser. Oh, ils sont en boost fnatique. Ils sont en boost fnatique. Oh là là, je l'ai senti. Je l'ai senti arriver le truc. Voilà, donc ça c'est le boost fnatique les gars, donc c'est le boost à droite, en plus on va récupérer une deuxième AK, voilà, on va récupérer une deuxième arme, on est en réaction, donc Shox, réaction, libère la panta. Vous voyez la différence entre Chopper et Kyojin? Voilà, c'est la différence entre Chopper et moi, c'est la différence entre Chopper et nous tous en fait. Hein. C'est que là par exemple, Chopper lui à chaque fois, quand il était en infériorité numérique, il faut faire un move. Il faut faire un move, il faut reprendre une info, il faut reprendre de l'espace. C'est obligatoire. Donc ce qu'il fait, c'est très naturel, c'est très logique, c'est très malin ce qu'il fait Chopper. Des Chopper, il y va tout seul, sans flash, sans rien du tout. Nous, les Français, on essaye déjà d'aller un peu plus loin. On assure un filet de sécurité, entre guillemets. Ouais, Shox, tu peux me flasher, je vais reprendre la Panta. Ok, ça part, blanc. Voilà, Kyojin, il met un coup d'épaule. Eh, il n'y a rien, Panta. Mais il se replace, comme une petite salope. Comme moi je suis une petite salope aussi, hein. Tout le monde est une petite salope. Tu prends, tu décales, et il n'y a rien, et je me replace. Chopper, frérot, il serait là déjà. Il aurait dit coucou, on fait la bagarre. Venez, on fait la bagarre. Octogone, rien à foutre, MMA, cage, on est là. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Et là, Kyojin, il a dit, il n'y a rien. Donc peut-être que Shox, il va lâcher. Et quand il va lâcher, vous pouvez voir déjà que Mir, il est en train de revenir. Vous pouvez voir que ces deux-là, ils sont en train de revenir. Vous pouvez voir que Chopper, il est prêt à accélérer. Vous pouvez voir que Magix, il est déjà dans la jungle. Il est déjà dans la jungle, prêt aussi à... Hein, on peut voir que là, ça sent pas bon. Hein, on a 3 points d'accès pour Splita. On peut voir déjà que ça sent pas très bon du tout, là. Et là, Kyojin, gros playmaker. Donc là, il a le round en main. Kyojin et Shox, ils ont le round en main. Mais c'est pour vous montrer qu'il y a des possibilités partout. Mais c'est l'ADN du joueur, le caractère du joueur qui fait ça. Son expérience aussi, plein de choses comme ça. Donc on va voir ce que ça donne. Allez. Donc Kyojin, est-ce qu'il va y retourner? Ah, regardez, qu'est-ce que je vous ai dit? Shox, il va lâcher. Je vous jure, les gars, que... Je vous jure que je n'ai pas vu le match. Voilà, donc Shox, il est là. Il a peur un peu des deux, maintenant. Il a peur un peu des deux. Normalement, il va valser. Quand on attend, il va faire une 3-1-1. Ah, regardez, il va valser. Sauf que là, hop. Hop, et là, on attaque. Donc là, il y a du 1 pour 1. Maintenant, Magix, il reste là. Shox, il est obligé de jouer la retake. Il est obligé de jouer la retake. Là, on a une réaction côté corniche pour renfermer ici. Sauf qu'on a Magix qui est là avec Mir qui est là. Voilà, on flash bien Shox pour le mettre en échec. Shox. Ah, BG, les réactions. BG, les réactions. C'est bon, on a toutes les infos. Ziwu qui fait un gros kill par contre là. Ziwu, il fait un énorme kill. Dexter, oh là, hey, Dexter, il est en roue libre. On lui a donné à manger tout le side CT. Ça y est, on lui a donné la confiance. Et le round va être logiquement remporté parce que la bombe en plus... Ah non, 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 elle est pas plantée pour Mir. Attention là, Shox, il peut faire grave mal. Ouais. Vous voyez, Shox ne sait même pas que Mir est au niveau du connecteur. Hein. Donc là, beau round de la part de Team Spirit.
beau round de la part de Team Spirit qui aurait pu être entre guillemets remporté à l'exploit par Kyojin, hein, qui mais il va pas loin. Voilà, il va pas loin. Après, on peut pas lui demander de faire une débile, tu vois. On peut pas lui demander de googoliser à fond et tout machin. Mais c'est dans ces moments-là où, par exemple, le coach là, par exemple Rémi, tu vois, Extase, il va voir. Il va voir cette démo, tu vois, il lui dit regarde Chopper comment il joue, regarde Apex comment il joue, toi aussi frérot, aie confiance en toi, de temps en temps on a besoin de gars qui vont prendre leurs responsabilités, tu vois, on va avoir besoin de ça en fait, et ça peut être Kyojin, je dis Kyojin parce que c'est lui qui est à cette position là, si c'était Mizuta, j'aurais dit Mizuta, si c'était Shox, c'était Shox, si c'était RPK à l'époque, ça aurait pu être RPK, on s'en fiche, c'est le fixe A. D'accord, le fixa, il est censé faire un truc, quoi. En vrai, Malek, c'est du pile ou face, non? De quoi pile ou face exactement? Mais c'est là où vous devez comprendre que... Voilà, la Vitality joue un CS qui est académique, qui est scolaire, qui est facile à comprendre. Et c'est logique, c'est du traditionnel, d'accord? Shox qui met une petite flash pour Kyo pour vider, il vide la zone, il voit qu'il n'y a rien. Et derrière, Shox, il est parano. Rappelez-vous de ce que je vous avais expliqué sur le principe de la parano. Le move de push au spawn ou pas, c'est... Ouais, c'est du pile ou face, c'est risqué, quoi. C'est pas pile ou face, mais c'est risqué, quoi. Tu peux jouer... Je peux te citer 10 joueurs qui vont push. Je peux te citer 10 joueurs qui vont push. Apex, il push. Chopper, il push. Simple, il push. Electronic, il push. Nico, il push. Le Nico de G2. Hunter, il push. Karrigan il push, c'est Yaki qui push. La quasi-totalité des joueurs russes vont push, la quasi-totalité, hein, pas tous, mais la quasi-totalité des joueurs russes vont push. Il y a des joueurs comme ça qui savent qu'il faut prendre le risque et qui vont prendre le Art il va push, voilà. Art il va push. Jax, non, je suis pas sûr qu'il push. Jax il push. Rob, t'es un ouf ou quoi? Rob, il joue ici, frère. Rob, c'est le plus gros baiter de la terre, frère. Jamais il push ses zones, t'es un ouf. Toi. Stewie, à une époque il aurait push, peut-être pas maintenant. Quickshot, merci beaucoup pour le sub, mon ref. Je t'aime. Donc c'est du académique, c'est du scolaire. Et rappelez-vous de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, le principe de la parano. Et là, on peut voir que Shox, il est complètement parano. Voilà, il est parano. En fait, de vider la zone, mais sans la vider, tu restes le cul entre deux chaises, comme ça. Et donc après, t'as Shox, il va devoir swinger. Et vous avez vu, il a swingé ici. Kyojin, il s'est fait des clics. Alors oui, si il swingait 3 secondes plus tôt ou 3 secondes plus tard, peut-être que Shox, il aurait eu la visu avec lui. Et donc, il aurait pris le premier duel. Il aurait fait un kill. Kyojin en aurait fait un deuxième et l'avantage numérique serait parti pour les CT. Mais c'est le principe de la parano. C'est un peu de chance, c'est un peu de timing, c'est un peu de tout ça. Mais c'est pour vous expliquer que on est clairement là-dedans, quoi. On est clairement là-dedans. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On est qu'aux deux armes côté terreau, plus plantage de bombes. On a quand même du bonus monnaie. Côté CT, on est bien parce qu'on avait quand même beaucoup d'argent. On a quand même Ziwoo qui est au sniper. On a Kyojin qui est en 6-17. Vous voyez qu'il est en 6-17. Alors, je ne parle pas des scores, moi. Je m'en fiche des scores et tout. Il est en 6-17, mais vous pouvez voir que voilà, il n'a pas été très sollicité. Là, en CT, ben voilà, il ne peut pas faire grand-chose non plus. Très certainement qu'il est un peu drivé, pas comme il voudrait, mais je sens, moi, un peu de manque d'autonomie, manque d'initiative, manque de confiance chez Kyojin. Ne serait-ce que dans ses mouvements, je le ressens comme ça. Je dis pas qu'il est mauvais, mais je le ressens comme ça. Donc là, prise de mid, on fait sauter la ligne, on smoke, voilà, et Ziwoo. Vous voyez, les Russes, ils attendent pas. Shox en réaction, qu'est-ce qu'il a fait, Shox? Ok, Shox, ils ont push la parta avec Kyojin. Donc, et on dépose Kyojin. Regardez Kyojin, il va lâcher. Parce qu'on est 5v3. Voilà, donc on se repositionne et Kyojin, il va lâcher. Il va swinger, là, on va voir. Que ça donne Apex qui va devoir garder que la kitchen. Voilà, on décide de tranquille. Et là, voilà, il va devoir swinger. Hop, il décide de lâcher. Voilà, donc je vais le répéter. Hein. Je n'ai pas vu le match. Je suis venu, j'ai lancé le stream, j'ai regardé 2 rounds et j'ai quitté. Mais voyez, vous voyez encore une fois. Malheureusement, ça tombe sur Kyojin. Mais il ne fait pas d'erreur là. Hein. On est bien d'accord qu'il ne fait pas d'erreur. Mais c'est juste pour vous montrer l'ADN dans lequel il se trouve à l'heure actuelle. Chopper, 5v3, 5v1, il s'en bat les couilles, il serait là. Apex, 5v1, 5v3, il serait quand même là.
il serait quand même ici. Donc après là, c'est différent parce qu'on a Shox quand même qui est au niveau du, comment ça s'appelle, du sandwich. Donc il a besoin d'un bait. Donc il est obligé de demander à Kyojin de dire eh, viens, non, bait moi, on est 5v3, bait moi. Donc là, il subit le fait que Shox soit son binôme et le prenne par la main et le prenne par initiative. Et lui disent non, viens, vas-y, bats les couilles, on est 5v3, lâche l'appart, tu me baites, si ça sort à part, tu me baites, moi après je fais le taf. C'est ça de jouer avec des joueurs expérimentés. Hein. T'es à leur merci, entre guillemets. Voilà, et il swing là. Et Kyojin, c'est la pute. Là, c'est la pute. Là, tu le sens que c'est la pute. Là, je peux déjà vous dire que Kyojin, c'est la pute de Shox. Voilà, que Shox, il le drive. Voilà, et donc là, on est en train d'investir la corne, sauf que là, on a un 2v2. Hein. Là, on a un 2v2 ici, hein. Qu'on soit bien clair. Apex, il va peut-être... voilà, oh, on est sur un 2v1 désormais. Parce que là, on commence à avoir peur du A. Voilà, c'est la parano. Et regardez Magix, il a pas peur. Il est en slow, il a pas peur. Il est déjà jungle. Pas de smoke, pas de flash, pas de mollo, pas d'active. Regardez les mouvements des CT. C'est encore une fois, hein, le round va être remporté par Vitality. J'en suis quasi certain. 5v3, ça va être remporté. Mais c'est juste pour vous montrer le contrôle de map qu'on a. Est-ce qu'on a du contrôle de map? Non, mais on a le contrôle de l'avantage numérique. Donc on se permet de perdre de l'espace. On se permet de perdre du contrôle map. On se permet de jouer plus reculé. On se permet de se mettre en position entre guillemets de parano parce qu'on a l'avantage numérique. Et on se dit, vas-y, c'est pas grave. Au pire, tu meurs. Moi, je te revenge. Au pire, tu meurs. Moi, je te revenge. Au pire, tu meurs. Moi, je te revenge. Et on remporte le round. Sauf que vous voyez que c'est trop scolaire, trop académique. Je peux vous assurer que quand vous irez, quand vous verrez jouer d'autres équipes, 5v3, pas 5v3, les mecs, ils pêchent Pantero, ils s'en battent les couilles. Comment face it? C'est bien ou pas que Kyojin soit la pute de Shox? Bon, je fais une petite parenthèse là-dessus. Le fait d'être la pute de quelqu'un, c'est moi, c'est le mot que je dis. C'est quand t'es en binôme avec des gens, t'es toujours en binôme hein, sur les BP et tout. T'as forcément un mec qui lead le binôme ou qui lead le trinôme. Qui lui dit vas-y, mets-toi là, je te bait, mets-toi là, bait-moi, vas-y, je te flash, fais ci, fais ça. On a mis Kyojin et Mizuta au même BP. Ma dernière analyse de Vitality, c'était sur Nuke et on a vu que Mizuta et Kyojin, ils étaient ensemble dans les BP. Ça marche pas. Parce que c'est deux putes en fait. Et deux putes ensemble, ça marche pas. Mizuta, il parle pas. Kyojin, il parle pas. Il y a aucun des deux qui est en confiance. Il y a aucun des deux qui prend les initiatives. Il y a aucun des deux qui lead l'autre. Il y a aucun des deux qui dit cache-toi, je joue pour toi, ceci, cela. Ça marche pas. Donc il a fallu les séparer et on en a mis un avec Apex et on en a mis un avec Shox. Shox, il le prend par la main et Apex, il le prend par la main l'autre. Et ça marche beaucoup mieux. Ça marche beaucoup mieux. Mais ça marche beaucoup mieux parce que eux deux, c'est des joueurs expérimentés et ils les drive. Tu vois, ils les drive. Mais comment tu veux qu'ils apprennent? Comment tu veux qu'ils prennent de l'XP? Comment tu veux qu'ils prennent de l'initiative? Qu'ils prennent du galon? Qu'ils prennent de la confiance? Qu'ils prennent de l'assurance? Qu'ils prennent de la lecture de jeu et qu'ils le fassent après eux-mêmes en toute autonomie? Donc, je suis mitigé. Sur le court terme, c'est mieux de les prendre par la main. Sur le long terme, c'est pas bien de les prendre par la main. Donc, à voir. Et là, on va voir le round parce que là, ça a l'air très intéressant. Ça peut tourner à la catastrophe. Ce round peut tourner à la catastrophe en 5v3. J'en suis persuadé. Non, il peut pas. Il y a Ziwu. J'ai dit de la merde. Donc là, Ziwu fait le kill tranquille. Ziwu se redirige. Il y a les trades. Voilà, Ziwu qui en refait un autre. Voilà, il y a Ziwu. Heureusement, il y a Zinedine. Voilà, s'il n'y a pas Zinedine, on peut partir à la catastrophe. Il y a l'XP, le caractère. Bien sûr. Il y a ça aussi qui rentre en compte, tu vois. Il y a le caractère de la personne. Si le mec est plutôt réservé, discret, pas trop de leadership. Tu vois, c'est-à-dire, il y a bien sûr ça. Oh, il y a Ziwu, les gars, tranquille. J'avais oublié ça. Donc, ouais, Ziwu qui garde ça, qui swing un peu partout. Voilà, tranquille, c'est maîtrisé. Merci, au revoir. On a Echo 5 armes. C'est bonus, c'est cadeau. Mais ça aurait pu partir en catastrophe. Attention, hein, je maintiens ce que je dis. Hein. Ça aurait pu partir clairement en couille. Il y a des gens qui disent que t'es plus chez Freestyle. Freestyle, c'est un nom de mix, frérot. C'est juste une bande de potes et on a fait une qualif des championnats de France. Donc ouais, je crée une nouvelle équipe là. Je vais créer un projet, une équipe pro là, très bien. Enfin, là, j'ai déjà ma liste de joueurs. Voilà, au cas où, tiens, je te fais un petit kiff.
ça c'est mon bureau, frérot. Voilà, tu vois, liste de joueurs. Point TXT. Je vais pas l'ouvrir, mais voilà, on est là. On est dans le game, frérot. On arrive. Reste à l'écoute. Bré, 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 comme sur les freestyles. Restez concentrés, les gars. L'album, il sort bientôt. Bré, bré, bré. On est là-dedans, quoi. Ziwu, on arrive. Apex qui fait le cochon middle. Magnifique. Il se repositionne. Malin, tranquille. Ziwu qui lui garde. 5v4, encore une fois, on est bien. C'est de l'écho, hein, mais dans tous les cas, c'est bien de montrer un peu de répondant, de montrer un peu de les dents, quoi. De montrer un peu les dents. Pourquoi ne pas tryhard des trucs sur ce. Pourquoi Extase, oh, je sais pas, je joue pas chez eux, je suis pas payé 20k par mois pour jouer chez Vita, je sais pas ce qui se passe en interne. Tout ce que je dis là, c'est de l'interprétation due à mon expérience. Apex qui est reparti au. Apex qui est. Attendez. Apex, il a fait un premier kill, il est reparti, puis après il a dit. Mais attends, j'ai tué un mec sans Kevlar. Et venez, on feed les échos, yes! Donc il est reparti, il fait la bagarre. Voilà, et on sait que le dernier est là. Merci, au revoir. Là, on a Mir qui est tout seul. 3, 2, 1, Kyojin. Non, mais Yaziou. Kyoshi, il meurt quand même, miskin. Vous voyez, là, c'est ça. Là, c'est là où vous voyez que le mec, c'est la pute. C'est là où vous voyez que Kyojin, c'est la pute. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Vous allez... c'est très concret. Donc là, on est under. Donc Ziwu, il est là. Il a la ligne under ici, d'accord? Il a la ligne ici. Et Kyoshi, il est là. Voilà, et il est prêt à swing dans les escaliers, d'accord? L'escalier, il est là. Et en fait, là, c'est Ziwu. C'est Ziwu, il lui dit, vas-y frérot, t'inquiète, j'ai ta ligne, push! Alors que lui, peut-être, il a pas envie de push, tu vois. Vas-y, prends des kills d'écho, mets-toi en confiance. T'es peut-être qu'il... Parce que là, il est en 6-18, tu vois. Et c'est là où vous voyez que, quand je dis c'est la pute, c'est le mec qui subit, quoi. Et c'est là où vous dites, il y a moyen, Ziwu, même lui, il le prend par la main, là, tu vois. Il lui dit, vas-y, t'inquiète frérot, mets-toi bien, vas-y, j'ai ta ligne. Et là, il meurt quand même et Ziwu, il fait le kill. Ça part d'une bonne intention, mais voilà. Je dis que ça, peut-être que c'est pas ça la com, hein. Mais moi, je l'interprète comme ça. Donc, vive Kyochit, on t'aime. Même si tu fais du 6-18, frérot. Putain, Miskin, il passe une mauvaise game, alors que là, Vitality, ils sont un peu en train de comeback. Ils font un très bon side CT pour le moment. On a Ziwu qui se réveille très, très fortement. Apex qui a fait des kills super importants aussi en rift, qui a donné beaucoup d'avantages numériques. Donc là, on a une pause, bien évidemment, des terreaux, parce que là, ils savent pas trop ce qui se passe mal chez Team Spirit. Donc là, ils essayent de réfléchir. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, là, Team Spirit, pour revenir dans la game? Parce que là, au niveau de l'argent, bordel de merde. Ouais, on a de l'argent hein, côté CT. Comment on peut revenir côté Spirit? Même moi j'ai pas les solutions là, je suis en train de réfléchir. Faudrait juste qu'ils arrêtent mettre un peu plus lent, jouer peut-être un peu plus lent parce que là malheureusement, je crois il y a Chopper qui est mort ici de Ziwu, c'était pas de sa faute. On a Mir pareil qui est mort middle, c'était pas de sa faute. Mir quand il a décalé middle là ici, il a pas attendu que la smoke pop, donc Ziwu l'a attrapé au vol. Faut juste être un peu plus lent quoi, un peu plus patient, je pense. Donc tranquille, Magix, regardez, hop, il arrive under, il lâche pas le Z, hein. Il est en slow mais il lâche pas le Z, pour vous montrer encore une fois l'énergie avec laquelle on joue. Côté B, de toute façon, hop, on est en réaction, voilà, regardez, encore une fois, vous avez vu Shox tout à l'heure, c'est pour vous expliquer qu'il y a des chefs, il y a des sous-chefs, il y a des putes. Shox, il s'est mis là, il a dit à Kyojin, vas-y, swing pour moi. Là, Shox, il se met là et il demande à Mizuta de sauter la ligne pour lui et de bait pour lui. Donc, je vous le dis, c'est pas une question de star player, de machin, ceci, cela. Vous ne verrez, je pense, quasiment plus jamais Shox être négatif en termes de scoreboard. Vous le voyez déjà, ne serait-ce qu'au niveau du... comment ça s'appelle? Du schéma tactique qu'ils abordent, il est tout le temps bait. Shox est tout le temps bait. En CT, il est tout le temps bait. Il y a tout le temps une petite pute avec lui. Donc, c'est soit Mizuta, soit Kyojin. Vas-y, joue pour moi, gros. Prends la ligne, t'inquiète. Ceci, cela. Sauf quand il a la WAP. Quand il a la WAP, Shox, c'est lui qui fait les plays. Parce que c'est la WAP.
Mais sinon, voilà, vous pouvez voir ça. Et là, donc, on a Kyojin qui dit vas-y, reste balcon. Je sais pas s'il est balcon ou s'il est under balcon. Et Ziwoo qui lui dit vas-y, t'inquiète, j'ai ta ligne. Et Apex en électron libre. J'aimerais bien que Shox fasse un peu la pute pour les autres. Ça n'arrivera pas. C'est Shox. C'est Shox, c'est Apex, c'est Ziwoo, c'est comme ça. Quand tu recrutes aujourd'hui, tu recrutes des petites putes en fait dans ton équipe. Tu recrutes pas des star players. C'est ce que je déplore sur la scène française. Quand il y a du recrutement qui est fait de jeunes stars, de jeunes pépites, de jeunes mecs du sub top, on les met toujours dans des, je trouve, pas les meilleures conditions. Alors Mizuta s'en sort très très bien, hein, statistiquement parlant. Peut-être parce qu'il a plus d'assurance que Kyojin, je sais pas, faut voir ce que ça donne. Mais voyez, rien que là de voir un setup comme ça, je sais déjà la com ce que c'est, tu vois. Après, c'est pas négatif, attention, c'est pas en mode ah, vas-y, moi je suis une star, je peux scorer, tu es une petite merde, donc je te bait. C'est pas dans cet état d'esprit là, hein. C'est juste que Mizuta n'est pas capable de le faire en fait. Il n'est pas capable de prendre des initiatives et de dire vas-y, joue pour moi, je me cache et tout machin. Parce que le principe de bait, le principe de crossfire, ça, c'est des principes de base. Si tu fais pas ça, tu gagnes pas les rounds en fait. Donc tu es obligé de faire ça. Mais et c'est mal vu que ce soit, qu'il n'y ait pas un échange, que ce soit pas un coup lui, un coup l'autre, un coup lui, un coup l'autre. C'est vraiment systématiquement à sens unique. Moi, c'est ce que je déplore un peu. Donc là on attend, voilà, donc bizarrement moi ma solution c'était qu'ils jouent un peu plus lent, un peu plus rigoureux, qu'ils attendent vraiment les smokes, les fades, etc. Donc là on a Dexter et Magix qui arrivent dans la smoke. Magix, il y a smoke, pas smoke, il y va. Apex il est là pas naïf, voilà, Apex il est là pas naïf, il est revenge. Là Kyojin, Ziwoo qui garde sa ligne, donc Kyojin est totalement bait. Donc là vous voyez Kyojin c'est la star. Ok bon allez je suis une merde. Là Kyojin il doit faire 3 kills. Là Kyojin doit faire 3 kills. Vous voyez. Là, on joue pour lui. Là, c'est Kyojin qui est bait. Vous voyez aussi pourquoi, des fois, c'est que les stars qui se mettent dans ces situations-là, parce que les stars assument les statuts. C'est-à-dire que là, par exemple, si tu mets Shox ici, caché, avec un Ziwoo qui a la ligne à la WAP, avec un Apex qui a pris les premiers duels, donc là, les terreaux, ils disent « Mort jungle, il y en a un spawn !» Normalement, ils vont être naïfs du sandwich, ils vont être naïfs du Taz, et ils vont être naïfs de Lala, de Get Right. C'est une des trois poses. Ça, c'est les trois poses fouini. Les trois poses fouini, ce qu'on appelle le principe de la fouini. Donc là, t'as un meurtre, deux meurtres, donc un meurtre Apex, un meurtre Ziwoo. Ziwoo n'est pas mort, hein, mais c'est lui qui fait un kill. Ça veut dire qu'il monopolise beaucoup d'attention. Donc là, ça veut dire que Jin, il est invisible. Et là, normalement, il est censé faire des kills. Là, normalement, il est censé faire des kills, que Jin. Là, un RPK, un électronique, un Rain, un Twist, un Magisk, un Rops, un Brolan, un Crims. Il fait 4K, là. Là, il fait 4K. Là, le mec fait 4K ici. Parce que t'es bait. Et en plus, les mecs sont au deagle, bordel de merde. Donc, c'est là aussi. Dexter a check. Et alors ? Il regarde pas son crosshair. C'est au bout d'un moment, faut faire la bagarre, frérot. Les kills, les mecs, ils vont pas venir comme ça. Ils vont baisser leur culotte. Pète-moi le fiac, Kyojin ! Pète-moi le fiac ! Frérot, t'as cru les 4 mecs, ils allaient venir ici ? Je te pose la question. T'as cru les 4 mecs, ils allaient swinguer là, en fait, là, de dos. Tue-moi, Kyojin, tue-moi. T'as cru c'était comment ? Il faut tuer les gens. Les mecs te regardent, c'est des duels à gagner au bout d'un moment. C'est la bagarre, frérot. Quand Mbappé il rate le penalty, il y a un gardien en face. Et il faut aller mettre la lucarne, frérot. Tu vois, c'est dur au bout d'un moment. Bah là, Kyojin, il met pas la lucarne, frère. Au bout d'un moment, ouais mais Dexter il la check. Et heureusement qu'il le check, il est payé 15K par mois, frère. Heureusement qu'il le check. Donc on est 3v3. On va essayer de récupérer des petites armes, de sauter les lignasses. Il reste 40 secondes, tout le monde s'est regroupé, on est pas mal. Alt F4, merci pour le sub, frère. Tu peux déplacer ton overlay? Ouais, c'est vrai que j'avais oublié de lever l'overlay. Donc là, ouais, on a swingé ensemble, on les déchire 12 à 12, on écho encore deux armes plus un sniper. Franchement, côté CT, c'est maîtrisé, hein. Les runes sont vraiment maîtrisées. On a vraiment Kyojin là qui est vraiment pas dans le bail, il est vraiment pas là dans le bail. Ni Shox d'ailleurs, il est en 9-18 Shox, il galère un peu, Mizuta aussi un peu en dessous, 11-15. Mais on a quand même deux belles stars là. Là, on a Apex qui fait une vraie game sympa, et on a Ziwoo qui fait une vraie grosse game aussi. Toujours magnifique tes analyses. Bah oui, mais au bout d'un moment, les gens ils réfléchissent pas, frérot. Comme Lewis Hamilton qui remporte des grands prix, frérot. Ouais, mais sa voiture, elle est rapide. Bah, faut conduire au bout d'un moment, frère. Faut tourner le volant, frérot. Moi, je mets moi dans une Mercedes, je fais pas deux tours, gros.
Zarty, merci pour le sub. Donc comme on peut voir, l'hétéro contrôle. Là il est mis en échec avec la smoke. Il a peur de la crosse. Là on sent la différence. Là on sent la différence d'énergie. Il y a 12 à 12. La pression commence à vraiment monter petit à petit depuis plusieurs rounds. Donc là tout de suite, voilà, tranquille. Donc on est 4 et on va aller split le B. Voilà, le call il est fait. Une 15, c'est parti. Apex le sait déjà. Ça entend les machins. Donc hop, on arrive, on est 3 pour réceptionner ça. On va se mettre sur la vue des copains. Apex a été vu. Voilà, c'est face it. Là c'est face it, on a peur. Là on a peur. Là on a peur. Là on a peur. Allez, on cross pas les smokes là. Ah, on a peur des smokes là. Hein, les Russes. Ah, là, ça fait peur. Là, ça fait peur. Là, c'est vraiment une situation, ça fait peur. Très belle réaction de la part des CT. Je crois que c'est les CT qui mettent cette smoke. Il y a de la mollo qui part là-bas, frérot. Enfin, c'est... là, c'est une catastrophe. Là, on peut voir que c'est face it. Là, Team Spirit, ils m'ont fait un round face it. Tu vois. C'est un round à la Zub. Verstappen a gagné les 3 derniers. On fait ouais, non, mais t'as compris quoi. T'sais, on comprend le principe, tu vois. T'es au bout d'un moment. Quand t'es un champion, t'es un champion. Faut quand même faire. T'as le statut pour réaliser les exploits, mais il faut quand même faire les exploits. Tu vois, c'est pas parce que tu vois Federer remporter des grands chelems, Djokovic et tout, que c'est facile de le faire. Tu vois, pour eux, c'est facile parce que c'est des athlètes exceptionnels. Tu vois, donc quand tu vois Shox faire un 4-4, tu dis waouh, incroyable. Mais ça reste difficile à faire. Ça reste difficile à faire. Donc là, Kyojin, il est caché. On a Ziwu qui prend la ligne. Encore une fois, vous voyez bien que Ziwu quand même. Il... Bah après il a la WAP, c'est plus facile à la WAP de faire ça. Au rifle, je pense que ce serait l'inverse. Donc là, côté terreau, on a plus de solution, je pense. Hein. Là, vraiment, très belle maîtrise défensive de la part de Vitality. Franchement, c'est une leçon de CS qu'ils sont en train de faire Vita, je trouve. Même s'il y a eu 2-3 petites erreurs, 2-3 petites anomalies, 2-3 trucs qui me plaisent pas. Mais tu peux pas faire une copie parfaite, c'est pas possible. Surtout à haut niveau, quoi. Les mecs, ils te mettent quand même un peu dans le mal. Donc, mais par contre, Spirit, là, le side terreau... Très mauvais side terreau de la part de Spirit. Je pense que là ils sont en train de prendre l'eau depuis 3-4 rounds. Donc on a Shox qui fait un petit kill. Mizuta qui en fait un autre. Ça décale en B par contre. On a Shox qui arrive. Il en fait un. Heureusement que c'est de l'écho pour jouer les longues lignes. Hein, parce que sinon c'est complicado. Et on est 2v3 désormais. 2v2 désormais parce qu'Apex a décidé de reprendre tout seul. Belle erreur. On pose pour la corniche. On fait un petit fake tranquille. On est 2v2. 1v2 maintenant. Et Kyojin solide. Pourquoi Dexter il a pas planté la bombe? S'il plantait la bombe, ça changeait tout. Faut aimer la stature. Ouais, voilà, tu vois, c'est faut assumer le statut, frérot. C'est au bout d'un moment, tu vois. Moi, si je suis à la place de Kyojin que je rate, les mecs ils vont m'insulter. Je vais dire, frérot, je ne suis pas payé 30 000 euros par mois. Je suis pas payé 50K par mois. Je fais pas des millions par an. Laisse-moi tranquille. Le jour où je serai payé, je dirais, bon, j'avoue, j'ai merdé. Ouais, on a du rythme. Kyojin et Mizuta. Donc ça c'est Apex. Voilà, là c'est Apex qui les prend par la main. Ça c'est le move Apex en plus. Ça je sais qu'il adore faire ça. Donc là on voit Kyojin et Mizuta qui avaient le top spawn. Donc là il faut mettre un peu de rythme. On essaye de changer de rythme un peu côté CT. On veut tuer le match. Donc là c'est Apex qui le colle ça. Ça je vous le dis, c'est Apex qui les prend par la main les deux. Et qui leur dit pusher l'under. Donc là Apex il dit vas-y pusher l'under. Donc là les deux... décale, machin, on a Shox et Ziwu à la WAP normalement, attendez on va vérifier, voilà ils sont à la WAP, donc deux à WAP sur les extrémités pour anti déclic, pour anti CPL, pour anti voilà c'est parfait, le call est très très bon, plutôt que de les envoyer on rush le mid, on essaie de les agresser, on passe par l'under, c'est un truc un peu plus malin, le changement de rythme est pas mal, Dexter en plus il va être naïf sur le B, j'aime beaucoup, mais ça c'est Apex qui le colle, 100% Apex qui le colle, et Apex maintenant qui va garder le connecteur et le A. Attention Apex qui fait un repositionnement je trouve très risqué. Je pense que vaut mieux rester de ce côté là moi perso. Parce que Shox il pourra pas défendre. Donc là on a Mizuta qui revient under pour resserrer le mid. Parce que Kyojin là il a un... Voilà Kyojin il fait un kill. Il a peur un peu tu vois. Il regarde machin derrière corniche. Il fait le deuxième kill dans le collector. Je sais pas, je trouve son crosshair, je sais pas, il est hésitant. Hésitant l'animal. On a Chopper qui va aller planter la bombe. Si Magix reste en vie, c'est pas mal. Sauf qu'Apex, il a déjà compris. Il est en train de resserrer derrière. Et s'il resserre ici, dans tous les cas, il va couper la rotation là. Dans tous les cas, il coupe la rotation de lui. Voilà. Et il regarde son cul en plus, Apex. Hein. Il le sait qu'il y a un mec dans son cul.
Ouais, Kyojin, ouais, il est pas payé 30K, il est payé 3000. Il est payé 3000, c'est un contrat rookie qu'il a. Mais je peux t'assurer que les 4 autres, ils sont payés plus de 10K, frère. Plus de 10 pour le plus petit, quoi. Les 3 autres, plus de beaucoup. Donc là, ça plante la bombe pour la corne. Magix, il va y aller dans un second temps. On est 4v1 là, de ce côté-là. Magix, faut y aller, monsieur. Faut y aller. Je viens de faire retake, ton ami. Allez, 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 allez. Un chopper, il fait gagner. Bah, v'là le temps. Ah, il rate un peu. 1v1, 1v3, 1v2. Oh, magnifique headshot là, pour le coup. Oh là 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 là, Shox qui assure. Là, là, je suis pas d'accord. Là, je suis pas d'accord, monsieur Magix. Très très belle cover de la part de Shox qui envoie Kyojin. Là, encore une fois, on voit que c'est Kyojin qui a envoyé le faire la bagarre et Shox qui touche la bombe et qui va garder les lignes après à la WAP. C'est très risqué parce que si Shox rate son kill à la WAP, c'est dur. Mais on peut voir encore une fois l'initiative. C'est sûr que c'est Shox qui lead le trio de défense là, parce qu'à la base ils étaient trois. C'est lui qui lead le trio de retake. C'est lui, ça se sent, ça se voit. CS, ouais, c'est ouais, 30, 40, 50 000 euros par mois. Pour un zigounette, on est bien sur un 50K. Et on parle que de salaire. Hein. Après, si tu mets l'argent des cash prize, l'argent des sponsors qui peuvent se faire individuellement et tout, on est millionnaire à l'année, quoi. On a quelques petits millions chaque année, quoi. Ouais, RZR, même moins que 3000 en réalité. Il est payé moins que 3000. Bon. Je vais pas dire son salaire, mais ouais, il est même payé moins que ça. C'est un contrat rookie, frérot. Hein. Tu peux pas espérer plus. Côté terreau, on finit sur un V1. Peut-être ça va leur donner un peu d'espoir. Mais là, on a 15 balles de match. Donc on a quand même 4 balles de match. Là, c'est complicado. Apex qui est ici. Kyojin qui doit bait pour lui. Voilà. Et Apex qui est à voir. Sauf qu'il y a la ligne à la WAP. Apex qui va rester en vie, non. Apex il doit jamais décaler là. Apex il a son. Shox il a son cross, donc là on va aller save. Le round est remporté. Donc là vous voyez, on a Apex qui se cache et Kyojin qui joue pour lui. Et donc là Kyojin il prend la première ligne, il se fait défoncer, c'est normal. Les AK swing, ils ont l'avantage. Ils sont plusieurs, t'es tout seul. Donc voilà. Mizuta, non. Mizuta il était à 1005, après il était à 3000 et après là il est un peu plus. Beaucoup plus même. Mais il a moins de 10K. Mais bon, ça a mis du temps. C'est là, de 2021, quoi, qu'il a signé un bon salaire. Ça fait quand même 2 ans qu'il mange des clopinettes, frère. Nivera, non. Il est plus chez Vita. On va switcher. Petite pause. Apex il demande s'il a été entendu par Chopper. Donc ça veut dire qu'il pensait vraiment qu'il était enfouini. Et Chopper il lui dit oui, je t'ai entendu. Donc, toujours le double snipe Shox Zibou. Là il faut finir le match, petite pause, tranquille, on voit ce que ça donne. On va encore changer de rythme. Voilà, on va encore changer de rythme. Donc on saute dans l'under. Cette fois c'est Mizuta Kyojin encore qui saute. Apex qui est dans la window, en fufu, enfouini. Comme ça, il se régale si les deux rookies se font saucer. Ah non, c'est boost P2. C'est double boost P2. Mais c'est pareil, c'est le même principe, quoi. On voit bien que les deux, là, ils sont pris par la main, encore une fois. Mais c'est le plan, hein, parce qu'on a Shox et Ziwa à la WAP. Hein. Quand t'as double sniper comme ça, tu prends les extrémités, elles sont vraiment verrouillées, et tu fais un playmake en trio de défense. Là, faut se mettre sur Apex pour essayer de voir un peu ce qui va se passer. Là on investit, corniche. Voilà, Kyojin qui en fait un. D'accord. Flash pique le P2, je trouve que c'est dégueulasse moi perso, mais bon. On bloque en plus le P2. Apex qui en fait un, qui en fait deux en fouini. 3 avec Shox, merci, au revoir. Game finito, Pepito, Cafardinho. On est là. Belle maîtrise de la part de Ziwu individuellement. Apex très très chaud dans le bail. Après je pense que voilà. Apex, ça va commencer vraiment à briller parce que bah, aujourd'hui, il a vraiment entre guillemets des joueurs
qui se soumettent un petit peu à son lead. Et forcément, il leur fait prendre des risques pour lui dans des plays et tout. Donc, ça va s'en sortir très facilement. Belle partie de Kyojin, malheureusement, malgré le score. Belle partie de Mizuta, je trouve. Je pense que ça manque un peu de confiance, un peu d'assurance et tout, ce qui va venir sur le temps. En tout cas, belle maîtrise. Et Team Spirit qui a très mal joué son side terreau. Mais attention, tout le début de Team Spirit, j'ai trouvé vraiment au-dessus de Vitality, moi, pour le coup, côté CT. Mais une belle maîtrise dans l'ensemble. Spirit, qui est une très bonne équipe, très sous-cotée, très sous-estimée, des joueurs individuellement très bons. Mais c'est un style de jeu, voilà, c'est un certain style de jeu.